Hey, comment allez-vous, tavarish, tavarish? Ok. Ça, je vais lui donner ça à celle à l'entrée. Ça, on va l'acheter. Faut que je trouve un petit couteau là. Un petit couteau. Alors, est-ce qu'on a un couteau qui traîne, nous? Non. Nous n'avons pas de petits couteaux qui traînent. Hop là. Il y a quelqu'un dans le bâtiment là? Ok. Buongiorno, come stai? Come va? Va bene? Non c'è male, grazie. Voilà. Bon, j'ai encore un copain qui a rejoint, Docteur Mike. J'ai encore un pote qui a rejoint. Encore, hein. J'ai trouvé un serveur PvE, j'ai passé 4 heures dessus, c'était cool. C'est quoi comme serveur? Quelqu'un? Oui. Oh. Oui. Il y a Aaron qui te cherche. Ok, j'arrive. Ah oui, il arrive. Je marche, je marche, Wow. voilà. Ça va la forme? Ça va. J'essaie d'avoir d'autres personnes devant moi. Oh putain. Ah, j'en pouvais plus. Ah ouais? Ah, je te raconte ce que Sacha a fait. Vas-y, Ah, j'en ai vas-y. ras le cul de ce mec. Alors là, j'ai envie d'entendre. On devrait peut-être se mettre un peu à l'écart, non? Ouais. Hop là! À la limite, vient au niveau de la maison. Ok. Parler Quoi? moins fort. Je crois qu'il est à l'entrée, je crois. Oh! Même une petite cour extérieure avec un petit barbecue. C'est bien de se branler, putain. Oh, ils ont quelle personne à la maison. Salut. Pourquoi il y a un étranger chez nous là? Pas étranger, j'habite ici maintenant. Ah non, on va lui parler de Sacha. Ah, salut, voisin. Ça va les voisins? Bien et toi, voisin? Ouais, Et puis mon terre. mon tap, mon tap.
Alhamdoulilah, alhamdoulilah. La famille, ça va? Ça va, ça va, ça va. Alhamdoulilah, cool chez les baisses, manque les baisses, boucle les baisses. Ouais. Pose-le, Aaron. Ouais. Oh, vous avez un feu, j'en profite. Ah oui, oui. T'as même fait feutrer les fenêtres, histoire d'avoir une petite chair d'ambiance. Enfin, n'hésite pas. Il est passé où ce con? Putain, mais je vais chercher combien de temps. Ah, mais bien. Mais toi, c'est toi le con, je suis à 1 mètre de toi, tu me vois pas. Tu voulais le dire? Bah, du coup, vous êtes parti en expédition. Moi, je me suis retrouvé avec Max, comment elle s'appelle? Elena, je crois que c'est. Comme ça, non? Je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, c'est ça. L'entrée là? Elena, ouais. Elle. Bah, du coup, Sacha. Hein. Et un mec que je connaissais pas sans brassard. C'est mon pote. Je vois Sacha qui commence à lui parler de monolithes, qui commence à lui parler de ce qu'il a vu hier, qui commence à lui parler des expériences, des différents artefacts qu'il a vus, machin. Oh là là. Et comment ça s'appelle? Sacha qui lui dit, mais attends, mais... Tu le connais ce mec? Ah bah non, mais il va venir se faire recenser. Ouais, ce qui veut dire qu'il ne l'est toujours pas. C'est ça, ouais, il a dit de fermer sa gueule. Hein. Et il a dit de fermer sa gueule, mais il a continué. Quoi. Et puis il est persuadé qu'il sera le nouveau capitaine de la nouvelle section. Ah, si, j'ai hâte d'être là pour voir Astaroth, tu lui sors à balance, pas toi, mec. Justement, ça. Ah non. Faudrait voir comment vous voulez créer le truc et tout, quoi. Ah, de toute façon, on attend que ce soit officiel, quoi. Bah, en fait, déjà, rien que titre indicatif tout à l'heure, on est parti avec Astaroth, Shane et Nicolas. Non, Victor. Non, Victor. Ouais, c'est juste mon cerveau. Et Astaroth nous a dit comme ça que de toute façon, Sacha, il l'avait à l'œil et qu'il lui avait fait un avertissement et que c'était le premier et le dernier. Je pense que s'il entend parler de ça, bah, ce sera surtout le dernier. Non, qui fils depuis qu'il déforeste mon jardin là? Oh, ça c'est forcément un HLM. Mais des vrais gitans, hein. C'est vrai. C'est hein. Mon joli jardin, quoi. C'est un n'importe quoi. Je suis sûr. Attends. Bah, je pense que vous devriez en parler à Astaroth de ça. Ah, mais bien sûr que je veux lui en parler. Parce que ce connard, tu sais ce qu'il lui a dit en plus? Non. Et, disons encore qu'il parle de la monolithe. Allez, pourquoi pas? Allez, ça passe. Mais ce trou de balle? Il sort? Ah bah j'ai hâte qu'on fasse une descente dans le labo de Tillman. Ah bah c'est bien, dis à tout le monde qu'on va au labo de Tillman, ça c'est nickel ça, ça hésite pas. Hein. Pas si tu veux, je te donne un mégaphone et je t'amène à la radio qui émet dans toute la région et tu peux le dire à tout le monde. Ouais, mais faudrait fermer sa gueule. Hein. Ouais, il a pas l'air d'être très fut-fut hein, quand même ce Sacha. C'est exactement le genre de personne qu'il faut pas, quoi. Quelqu'un qui gueule sur tous les toits où on voit qu'est-ce qu'on fait. Pareil, après il a dit, ah, j'ai hâte d'aller au cercle pour récupérer les documents. Ah bah oui, nickel, hein. Si c'est un ancien du cercle, c'est parfait. Comme ça, l'ancien du cercle, il saura qu'on va aller au cercle et ils nous feront une embuscade sur le chemin, c'est vraiment nickel. Le mec vient d'arriver, il sait même pas qu'il y a des artefacts tout ça, le mec. Il lui sort les 3 artefacts qu'il a, il lui explique ce que ça fait, les bénéfices et tout. D'ailleurs, il a chopé un Kourou. Cher. Ouais. Oui. Sacha a chopé un Kourou. Ah, il avait le Kourou. Rigoler comme un niais là. Et apparemment il l'aurait tabassé trop fort et depuis ça va mieux. Ah ouais. Et bon, moi dans mes petites notes, traitement pour un courroux, c'est ça. Bah c'est ce qu'on nous a appris en tout cas. C'est ça. Ok. Bah, faut choper Astaroth et lui parler de ça. Ouais, de toute façon, on va avec lui. Je sais pas si ce soir il y aura tout. Enfin, il a prévu de faire quelque chose. C'est un autre par rapport à. Tu double-cliques dessus, Dr. Mike. Aux nouvelles. Regarde, tu fais ça. Double-clic, hop. Normalement, ils doivent en parler ce soir de ce qu'il nous a dit hier.
récupère un débrief, donc je pense qu'on sera là plus ceux de la garde actuellement. Et là, du coup, c'est. Enfin. Typiquement, ce genre de. Ah, vas-y, je mâche pas mes mots, je lui dis de fermer sa gueule. C'est typiquement ce genre de trou de balle qu'il ne faut pas dans une section comme ça. Ah, on fait des expéditions. Je peux être sûr que si on a des bureaux communs au niveau de la garde, tous mes documents de recherche que je me suis cassé le cul à rédiger, je vais les laisser ici. Je les mettrai à disposition de tous ceux avec qui j'ai envie de travailler, mais jamais je mets là-bas. Parce que ce con, il serait capable de tout lire et d'aller le crier sur tous les toits. Bah, c'est parce qu'il a fait hier avec tes documents, Sam. Bah, hier, je pose les documents pour vous les montrer à vous. Il arrive, il en prend un, il le met dans sa main, il commence à le lire, il vérifie s'il l'a. D'ailleurs, le bouquin qu'il a. Ah, tout à l'heure, quand il est tombé à conscience, j'ai hésité. Il y avait deux bouquins dans son. Je voyais deux bouquins dépassés de son sac à dos. Ah, ma main. Franchement, je pense que la prochaine fois, ouais. Le père qui il a déjà perdu un chargeur tambour et deux chargeurs de SVD. Ouais, mais ça, est-ce qu'il a besoin de le savoir? Je ne crois pas. Non. Bon, c'est... vous savez, chargeur de SVD, qu'est-ce que c'est? Ah, oh bah écoute, j'ai l'impression que lui, son matériel, il y tient, donc bon, ça doit être beaucoup pour lui. Bah, hier, il m'a un peu gavé, quoi. On commence à rentrer dans le bunker, enfin, dans le bunker, dans la centrale, on sait pas ce qu'il y a, évidemment. Ah, oh, à la fin, bah, vous allez voir, dans le cœur du réacteur, une grosse artefact bleu. Bah merci Bernard. Alors attendez, hop. Personne comme lui ou autre quoi, qui pas leur place ici en fait. Je pense. Mais si j'ai bien compris, il était au cercle avant, c'est ça? Non, il était dans la bras de quoi. Ah oui. Oui. Il était chirurgien du côté de Moscou. Après, il a été architecte à Taïwan. Exactement. D'accord. Ok, d'accord. Oh. Son petit surnom, c'est Boris. Il est trop corrompu. Écoute, au moins, c'est un russe qui a bien appris notre langue. Bah, ouais. Il apprend beaucoup de choses, quoi. Disons que c'est un homme qui semble avoir énormément de compétences. Amerikansky! Ah, mais semble juste, hein. Il les a pas vraiment. Bah disons qu'en fait, il a quand même, si on prend les choses telles qu'elles sont, il a quand même beaucoup d'informations, il a beaucoup de documents. Si jamais Astor doit le verter, il a deux livres sur lui, donc faudra pas qu'il se barre. Après, c'est les... C'est un peu comme les mecs qui passent de 2 à 3 au lycée, tu vois, au collège, c'est... C'est toujours de la merde, c'est mieux, mais c'est toujours de la merde. Lui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, je pense. Pas aller là, elle est là. D'ailleurs, sur notre petite balade, ouais, là, coup... avec Astaroth, on pense savoir où sont les gars qui s'amusent à braquer des gens, là, les baroudeurs, commerçants, allemands... Ouais, les boches. Ouais, voilà. Donc, ouais. Ils seraient où, moi ? Extat, école. Ok. Ok. Et pour rentrer chez eux, c'est un gruyère. Hein. Oui, bah, ils payaient pas de mine, quoi, ils ont tenté des choses. On va aller valider ça. Hein. Oui, je vais. Faut que tu fasses les. Faut que tu leur transmettes un peu ton code de sécurité. Et. Ouais. Ah, vas-y, qui c'est qui fout notre truc? Ok, bon. Moi, je pense que je mène. Je sais pas si vous allez aller au concours de boxe là. Mais moi... Sifflez-moi fort, s'il te plaît. Il est pas rentré à Starod du coup? Non. Non, non, pas encore. Enfin, en tout cas, je l'ai pas vu. À moins qu'il était au Black Market. Je pense pas. Non. Pourquoi il y a un hibou là? C'est Constantin, non? Bonsoir! Ouais, c'était lui. Encore un mec du HLM, moi je... Bonsoir! Ouais? Dab. Bah, il va falloir qu'on rassemble tout le monde, là.
Si vous voulez venir, sauf si vous avez le truc de boxe. Oh, le truc de boxe. Comment j'en branle. Ouais, franchement. Je sais pas si tu les as regardés, mais il y avait des personnes que j'ai jamais vues avant qu'on débarque au truc de boxe. On débarquait en sarka avec des masques à gaz et ils avaient un logo de radiation à sar. Tenue camo verte, vert. Avec un patch le côté, avec un logo nucléaire. Quatre mêmes. Vraiment le même mec. Ok. Je sais pas du tout ce que c'est. À voir qui ça peut être. Y a d'autres personnes de réveillées là du. Y a HLM ou normalement, pas ouais. Hein à HLM, je crois que oui, y a quelqu'un d'autre qui sont sur la place. Hein. Y'a Rob? Oui. Ok. Oui. Oh. C'est qui fait une déforestation en face là? Je sais pas. Y'a un camion. Bonsoir. Ah. Ça va le pain? Ouais. Mmh. On a eu quelques petites infos sur le où habitent les... C'est les mecs de... Ah oui. S'amusent à braquer les gens là. Ouais. Extat école confirmée et leur base beaucoup d'informations est un gruyère. Que tu te mélanges, c'est un gars de la garde. Okay. Enfin, c'était un mec de la garde, tu vois. Voilà, ah ouais. Eh, y a plus de garde. Du coup les voisins, ça vous dit de retourner à Extat et d'attendre qu'on voit ces fameux commerçants là? Est-ce qu'on attendrait pas avant Astaroth peut-être? Ouais, je pense, ouais. C'est pas faux. Mais je pense qu'Astaroth va être au truc de boxe, hein, je pense. Je pense. Bah, il y en avait déjà un, au moins, de la Légion au Black Market quand on est rentré. Je crois que c'était à Badon. C'est là-bas. D'accord. On peut aller voir, ouais, s'il est pas là-bas. Hein. Vous avez vu le nouveau nouvel arrivant? Vous là-haut à pied, en voiture? Comme vous voulez en vrai. Hein? Parce que je pense qu'on va revenir en camion. Je veux dire. Donc, ouais. Je pense. À pied, c'était pas ouais, si long. Mais après, le problème, c'est que. Ouais, c'est pas long. Ouais. Hein. Si on coupe par la forêt, c'est très rapide. Après, le problème, c'est. Je pense que si on monte en bagnole et qu'on. Si jamais on revient avec un camion qu'ils ont là-bas. Bon, ça fera un véhicule en plus, on n'a pas beaucoup dans chaque véhicule. Il y a déjà quelqu'un qui a volé un camion au Black Market. Ah ouais? L'ivrogne là. Ouais, et il est rentré avec un camion, il m'a dit qu'il l'avait volé au Black Market. Pas lire. Là-bas sur eBay, c'est le MS3 qui est là-bas à gauche. Et non. Ouais. Et qui est là dans la cour, qui va arriver, j'ai entendu. Il est à gauche. Ouais, fais gaffe. C'est ce magnifique camion qu'il a volé, tu penses? Ouais, c'est celui-là. Exactement. Le sudiste ont le sudiste ont du talent. Ouais, je suis. Ah merde. Attends. Oh attention. Gros, le sud. Le sud, c'est en train de devenir une dinguerie, gros. Bah moi je vais me prendre un peu de bouffe s'il y en a et puis je vais me préparer à aller en direction du Black Market, essayer de rassembler du monde et puis partir à là-bas. Hein. Ça va Max? Ça va et toi ça? Ouais, tranquillement. Dis-moi, on a eu des informations sur l'eau où habitent les boys là qu'on cherchait. Ouais. Et on va aller les voir. Ouais. C'est tout. Ouais. C'est tout. C'est tout. Ekstat école, leur camp c'est un gruyère. On va aller là-bas et on va revenir avec un joli camion. Nous allons leur faire une offre qu'ils ne pourront pas refuser. D'accord. Je vais chercher un kit de cuir, je prends de la bouffe et je bouge. Vas-y. Y avait pas un nouveau là?
Ah, ben je sais pas où il est passé, hein, écoute, Il est on me parti donne avec des un mec de la informations. garde au truc de bot normalement. Ok, Ah, il a pris ses... bah. il a pris ses infos et s'est barré. Avec celui qui s'est fait casser la gueule par Greg. Sacha, Sacha, Sacha. Ouais, ils savent pas, mais c'est mon pote. Enfin, il va venir avec nous direct. Oh, Constantin. Ah, je me disais, je croyais que t'avais laissé ouvert avant de partir. On va pas tarder à bouger, hein, Constantin, prépare-toi. Hein. J'espère qu'il m'en reste des petits coups. Au moins un. Oui, oui, c'est bien, Thomas. T'as des balles de pompe, Sam? Non. Non, j'avais tout donné déjà. J'ai demandé à Shane. Tu veux pas profiter du Guay pour créer un groupe, une bras de vin avec ton groupe? En fait, je préfère finir ce perso à fond, voir jusqu'où ça peut m'amener, et voir par la suite si je peux créer un groupe de stalker, on va dire ça comme ça. Un peu comme dans le jeu vidéo, tu vois. Des mecs indépendants qui se baladent un peu partout sur la carte. Qu'ont un QG, on va dire ça comme ça, mais qui se balade sur la carte et qui... Dès que tu croises un survivant, braque, tu le braques, tu lui dis de se déshabiller, douche de décontamination, tu vérifies ses rades, etc, 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 etc. Et essayer d'enquêter justement, cette fois-ci, sur les artefacts, chose que je peux pas faire pour moi avec ce perso. Mais ça pourrait être pas mal, ouais. Et on a eu des petites propositions, enfin surtout, bah Rob on a entendu parler d'une certaine proposition avec Astaroth. Et c'est intéressant, faut voir comment ça se goupille. Et moi ça pourrait m'intéresser grandement en tout cas. En gros ce serait de créer une section de recherche qui va faire des expéditions pour le compte du maître. Mais après, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aurait peut-être une dissolution de la garde, je sais pas. À voir, donc il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Et j'ai pas envie de trop vous spoil, tu vois. J'en sais pas trop non plus d'ailleurs, donc bon, voilà. Bah. Bah. Je peux pas prendre ça. On va les laisser surtout pour des gars comme Léon. T'as oublié quelque chose, mec. Quoi? Bah, tu sais. Non? Là, 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 il faut que j'aille quelque part pour aller. Hein? Tu veux parler de Léon? Alors, je vois pas. Oh. 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 Je crois, dalle. Ouais, je vois ça. Mais il s'est passé quoi? Tu t'es réveillé? Ah, putain. Non, c'est bon, j'y suis, t'inquiète pas. Ah, il avait pas tort. Bon. Bah là, si tout le monde est prêt, let's go. Je vais voir avec Max s'il veut venir avec nous, et sinon, let's go. Pas envie de traîner trop. Du coup, Max, tu veux rester ici ou tu veux venir avec nous? Vous allez faire quoi là? Ce dont je t'ai parlé. Je vais venir, je termine mes trucs là et j'arrive. Ok, tu nous rejoins au Black Market? Ça marche. Ok, let's go. Bah allez, hein. Black Market, pour les autres. Mon fontaine est reparti là-bas et Finch. Oh.
Bah, c'est même pas une exclu parce que j'ai pas plus d'infos pour l'instant, donc sinon je te l'aurais donné. Puis tu vois, j'aime bien, même s'il y a quelque chose qui se dessine, si ça doit ne pas se faire parce que le RP me pousse à faire autre chose, bah tant pis. Je préfère vraiment laisser les choses venir, quoi. Constantin, Shane. Ouais. Davai, Les enfants! On y va au pied ou en voiture? à pied, à pied. On reviendra en camion. Mais... Mais... Quelqu'un veut ma courgette? Ça ira. Non. Dis donc, Non? c'est quoi ces Ok, bah questions pourtant là? c'est bon, ça vient de notre jardin, c'est cultivé avec la Ouais, bah, tendresse. mange ta propre courgette, t'es fait pas chier. C'est bon une Enfin courgette. voilà, quoi, c'est. Voilà, quoi, je t'ai tué. Là, le groupe, il commence à être... Tu n'aies pas peur des armes à feu, Tavarich. Avoy. Avoy. Je vais vous confier un petit secret. Avoy, camarade. Au commencement. Bon, on rigole, on rigole. Est-ce qu'il y a des Russes ici pour savoir, hein? C'est juste pour un pote. Non. Et de régime russe? Non, personne? Très bien. Ah, ils sont en train de préparer le wipe. Il y a eu ça qui a été foutu devant le black market, devant la ville. C'est annonciateur de quelque chose de dangereux pour la communauté des riches. Comment il s'appelle? Il y a Max qui va nous rejoindre au black market, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu. Je trouve que je suis un peu lourd là. Ah. 3, 6, 7, ok. Ah, mais comme ça, vous allez pouvoir voir les messieurs avec le brassard qu'on a jamais vu. Ouais, intéressant. Ah, j'ai déjà vu. Ouais, peut-être que certains l'auront vu. Pareil, là, j'ai une nouvelle petite chaise, là. J'ai mon cul bien calé. Un régal. C'est une chaise en toile. Enfin, c'est pas de la toile tissu, c'est un peu... Je sais pas comment on appelle ça. C'est même pas simili-cuir, je sais même pas. Juste une chaise toute simple. Mais c'est un peu confort hamac, tu vois ce que je veux dire? Donc là j'ai le cul qui est... Ah, mon dos, ouais. Du mèche, je sais pas, peut-être, ouais, un truc dans le genre. J'ai mis quoi en raccourci? La winch en 2. Ok. Je crois qu'ils voulaient créer un groupe de protection pour la ville, qui soit mieux que la garde, et qui pourrait être amené à faire des expéditions punitives à l'extérieur, comme ce qu'on est en train de faire là. Et un groupe qui serait plus sur des expéditions, bunkers et ce genre de choses.
Je sais pas si ça va être les voisins et les HLM qui vont être regroupés, ou si ça va être un groupe HLM qui va faire ça et un groupe voisin qui va faire ça, je sais pas. Mais j'ai hâte de voir. Allez, Aaron! Le vide sur les appuis, là! Allez, le mec avec une cape qui nous suit! Et Kobondo parte pour l'aventure. En tout cas, c'est bien confortable. Hein. Tu t'assois, tu vois. Et t'as l'impression que... Comment dire ça? Comme un Mac, ouais. C'est la sensation d'un Mac. Oula, oula, attention. Ah, j'en étais sûr. Tiens, la tonnerre, la pute. Regardez la Légion. Fermeture des parois dans 5 minutes. 5 minutes. De la presse est maintenant. Right now. Right now. Right now. Bravo 6. Et on applaudit bien fort la venue des habitants de la capitale du Sud. Spasiba, merci beaucoup. Danke. Tonnerre d'applaudissements pour ces vaillants combattants. Amener de l'argent et des combattants. Au revoir. Oh. T'as vu les mêmes trucs là devant le back market. Bah y a encore plein de gens là-bas. Ah. Ah, mais y'a trop de personnes. Incroyable. Non, par contre, ça commence à être long. J'ai envie de me casser la gueule, bordel de merde. Et c'est pas une super lunette hein, qu'il y a sur le Blaze. Salut, l'ami. Ça va? Ah, c'est beau, hein. Ça va? C'est ce que j'ai trouvé. C'est beau, hein. T'aurais peut-être un meilleur opticien à me conseiller. Bah, au meilleur opticien, non, mais un meilleur optique, oui. Ah oui. Deutsche Qualität. Il n'y a personne qui participe. Effectivement. Je suis tout seul. Si tu veux, en échange d'optique. Elle est chinoise. Ah, bon. Ouais, c'est de la piètre qualité. Ok. Si tu veux, je te... Je pas les mêmes rayettes. On peut échanger. On peut échanger d'optique si non, tu veux. Pas accepté. Ok, ok. Mais c'est gentil d'avoir proposé. Ouais, pas de soucis. Tu veux habiter dans le sud, c'est ça? À Rimsting? Attention, ouais, je suis arrivé tout à l'heure. J'attends de discuter avec des membres de la Légion, c'est ça? Ouais. Et puis, amis, messieurs, vous êtes pas liés. Sacha. C'est le moment de se faire de l'oseille, pas... des francs. Tu vas bientôt non, concourir. La garde. Ouais, pour le concours, le poumon d'or. S'il y en a qui n'ont pas de francs, je peux en quelque sorte leur avancer, mais il faudra me les rendre par la suite, oui. La fin du tour maintenant. Regarde le petit ring, ils ont fait un petit ring et tout, gros. Papa? Ah non, moi c'est Franck. Ah putain, c'est. Ok. Ah. Ok. Et vous? Okay. Sacha. Enchanté. Il y a déjà un combat de prévu? Je connais déjà, mais c'est pas grave. Oui, je pense, oui. Ok. C'est qui les messieurs là-bas? Oh, c'était des tenues comme ça que je voulais, moi. On a des gars du sud qui sont arrivés. Non, ils ont les brassards. Ah, bah il est parti.
Tu vois les deux mecs en vert là? C'est ça. Je pense que c'est des monolithes, hein, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, fermeture des paris, les combats vont pouvoir commencer. Oh, incroyable. C'est parti pour nous avons donc 5 participants. Tu vas combattre? Bien. Oh. Vous égourdir un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est pas la victoire. Pour moi, pour l'amusement. Il faut un sixième, là. Allez. Bien sûr. Il y en a un qui est blessé là. Mais non. Rajoute-moi à la liste. Des combattants. Très bien. C'est quoi ton petit nom? Oh. Le tank sera en dessous de 5, de 100. Les non, radiations, c'est pas un problème. Max. De radiations. Malheureusement, j'ai plus de Franks donc. Franks peut en avancer si tu veux. Bah parce que elle est médecin peut-être. Il connaît les mecs en vert là? Non, je sais pas c'est quoi. Il a l'air d'être bien équipé pour survivre aux radiations. Hein. Ouais, on dirait bien, ouais. De la capitale? Vas-y, vas-y, si t'avais de la capitale hier. Bah, y'a mon garage avec mon camion dedans. Maintenant. Apparemment, y'a les combats qui vont pas tarder à commencer. Vous voulez en regarder un et on bouge ouais, ou... Si ça change, j'en ai rien à péter. Ah, justement, ça se trouve, il va se faire démonter, on pourrait se foutre de sa gueule. Ah, ça par contre, ça m'intéresse. Mais je voulais parler à Star Wars parce qu'il est là, je voudrais pas qu'il rentre à la capitale. Quoi, non, 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 mais je t'inquiète pas. Non, je suis un collabo, mais enfin, je. Non, je suis. C'est lui là-bas, il a pas le brassard, regardez. Oh, ça m'a l'air d'être quelqu'un de tout à fait respectable. Oui. Et on a monsieur, la feuille de maths, monsieur. J'adore ce mec, je l'aime d'amour. Les combats vont pas tarder à commencer. Vous m'avez fait peur, j'ai cru que vous alliez me raqueter. Donne tes chaussures, donne tes chaussures, donne tes chaussures dans la neige. Gars, ils ont fait un petit stand et tout, c'est stylé en vrai. Alright, vous êtes prêts? Ouais, on est prêts. Ok, pour le premier combat, j'attends Edgar et Max dans le bunker, dans le raid, pardon. Un bunker? Non mais c'est pas moi les gars. Ah je croyais que c'était toi. Bon, moi j'ai pris le camion, je me suis barré. Max, oublie pas de retirer ton équipement. Hein. Excusez-moi. Alors les Tarlouzes, on vient pas se battre. C'est bien, c'est moi je là. C'est bon bon. Merde. Est-ce qu'il veut, je trouve grand-chose là. J'ai le droit de garder mes habits ou je dois me mettre le poil? Qui a dit que j'étais petit? Et t'en fais. Je trompe, grincheux. Et moi, je trompe en tout cas. Et toi? T'es de shit. Mais tu fais quoi toi? Mais. Attends, attends, viens là le gnome. Ah, il est tailleux, hein. Oh, tu vas arrêter de m'appeler. Eh, messieurs. Hey, je l'ai nourri au sky toute la nuit, je ferais pas de mal avec lui. Non. Reste un conseil, ne fais pas ça. Que ces combats se passent le mieux possible, s'il faut. Allez, du soir. Moi, je vais pas casser. Tu dois être chispé, merci. Tiens, tu te déshabilles totalement, du coup. Ah, totalement. Même les chaussures. Oui. Regarde les chaussures, j'ai pas pensé aux chaussures. Regarde les chaussures. Tu vas saigner, sinon. Regarde, tu as des gants. T'en penses toi. Parfait. Eh, tu nous mets de la mort. Garde Franck avec son petit sac. Est-ce que tu veux un coach? Non, j'ai pas besoin de coach. Très bien. Elle est belle leur tenue. Dépêche-toi, je vais m'énerver. Alright, tu te déplaces totalement le. Totalement.
Le masque et les cheveux, on dort. Allez, regarde les chaussures. Regarde. Quoi? Non. Enchaîne-le, hey. Ils ont des gants et tout, regarde, ils ont mis les boucles. Alright, messieurs et mesdames, merci d'être venus au Black Market pour assister au combat du siècle qui va opposer le seul et le Nick. Edgar, au seul et le Nick, Max. Heureusement qu'Edgar est l'unique, hein, c'est sûr. Ouais. Je me dis pas, c'est moi, tu fais le Nick. Chacun dans votre coin du ring, monsieur. Tout dépêche. En vrai, c'est sympa de fou, en vrai. Ah, c'est bien, ouais, défonce-la, au coup de feu, vous pourriez vous battre. 3, 2, 1. Allez! Oh putain, ça commence bien. Tu vois, c'est le chef, c'est bon? Allez, Max, alors, t'as là, on va alors là. Allez, te laisse partir, Max. Il est chaud, putain, il est chaud. Allez, Edgar, vas-y. Joli. Oh non. Joli. Oh non. Allez, vas-y. Là, il a perdu beaucoup de stamina, là. Allez, tiens, vas-y. Pour enchaîner, là. Allez. Arrêtez de vous mettre en garde, là. Oh. T'as ça. Ah ouais. Allez. Bon, c'est bon, arrête. Mais il l'a tué. Arrête. Voilà, c'est moi, le boss. Mais il l'a tué. Merde. Bravo, bravo. Docteur, l'arbitre, il a pas sifflé, bon, oui, tu l'as défoncé. Passe, arrive, dans la bouche. Comment ça, j'ai pas sifflé pour ça, moi, merde. Laisse rentrer le médecin, chef. Non, non, pas besoin de médecin ici. On n'est pas des Tarlous. On n'est pas des Tarlous, c'est ça. Ouais, pour la gueule. C'est pas pour les tarlous comme lui. T'as heureusement que je dis pas de médecin, tu veux une base dans ta gueule, toi, dégage. Sors. Des coups de bruit, ils vont les tuer. Est-ce qu'elle met l'eau vite? Ouais, il est comme neuf, le bonhomme. Habille-toi. Excellent. Regarde le petit stand. Ah. Oh, ça, ça doit être la récompense, ça, pour gagner. Il se remet, T'as vu ça, Franck? Vas-y, tape. Allez. T'as pas été de ma mort, toi. Hey. Allez, tu as tes chaussures juste rigole, là. Hein. Merci, chef. Le prochain qui me traite de Hobbit, il a une balle dans les jambes, je le préviens. Il sera pas aussi haut que moi. Quoi? Ah ouais, bien sûr. Putain, il y a des francs aussi, autre. Ah, bien joué. Je suis désolé, la bite, il n'a pas ciblé, moi j'étais mieux KO, hein. Il n'y a pas d'arbitre. Non. Ok. Ah là, j'étais vénère. J'étais mangé de tout cru. Prochain combat sous front. Ozer et Duval. Bon, non plus. Ah, putain. Chacun dans un coin, monsieur. What the fuck is Duval? Duval? Il y a eu un problème de tête. Ah. Bon, il est parti pisser, ouais. Putain, c'est embêtant, il va ramasser des coups. Ouais, si tu n'avais pas envie de perdre le temps... Allez, à toi, là. C'est un autre combat, on attend le grand feu. Pas le celui-là. Si, là, si tu veux prendre la star, aussi, il est là. C'est bon ça. Allô la petite madame médecin, voilà. Je suis là. Désolé madame d'avoir été aussi brusque.
Ah, l'adrénaline du combat, j'adore pas ça, c'est le moment du fond présent. Mais j'aurais besoin de vous pour remettre à 100% de vitalité les fighters, ok? Je vous les envoie juste après. Merci beaucoup. Vas-y, mange dans mon oreille, vas-y. Ok, je serai derrière la voiture. Du coup, là, en attendant, on attend. Ouais, sinon, je prends la place de Dieu. Oh, t'es belle, ma chérie. Par contre, t'enlèves tes gants. Vas-y, elle a dit. Elle range tout dans le casier. Putain, mais tu es plus équipé que n'importe qui, toi. Bon, Duval, il arrive, bon, tant pis. Ok. Sacha, tu prends le coin droit. C'est parti. Moi non plus, ça tombe bien. Attends, deux secondes. Eh, t'es plutôt mignon, toi. T'es mon style. J'aime bien le côté sombre dans tes yeux. Ryan, tu connais Uncle George? Oui, peut-être qu'à t'en servir. Mmh. Ouais, tu veux voir... Ah, tu m'écoutais pas. Non, j'ai pas entendu, pardon. Ok, ça marche. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, le pauvre. Alright. Sorry, bro. C'est bon, tu es prêt? Parfait. Il a flashé sur le chevelon. Le chevelon. Dans le... Ouais. Dans le locker. Right now. Ah, toi aussi. Thank you. Pas grave. Allez, moi je suis prêt. Alright. Nous avons maintenant... Hauser qui va affronter Sacha. Attention, messieurs, préparez-vous. T'es prêt? Pour Sacha et Pipip. Je crois qu'il est pas prêt. Et... Sacha fait une honneur. Voilà, percute, voilà. Ouh. Allez, recule pas, tiens. Hop, le jump, crochet. Voilà. Bon, médecin, du coup, si vous pouvez venir pour celui-là, il est... J'arrive. Je pense qu'il peut encore se relever tout seul. Pas besoin de ma magie irlandaise. Ah, un petit coup de whisky irlandais là, ça ferait du bien. Qui c'est qui parle? Bien joué. Ah, quoi? Camilo? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu. Un petit coup de whisky irlandais, il faut le fader. Bien, j'entends rien. Tu Bien sûr. Les gens qui parlent, bref. Alice a employé le mot farfadé. Oui, et ah, ça fait du bien, putain, de bon, toi. Tu es reculé, bon, bref, Ryan, t'as un peu d'ammoniaque. Voilà, Sacha. Ah, ouais, ah, bah t'es là, toi. Bah ouais. T'es con. Mais oh, t'as la lumière pour toi. Oh, la vache, ça va. Ça coupe les lumières. T'as envie, tu as perdu. Tu peux encore te rhabiller, s'il te plaît. Ça va, ça va. Tu vas gagner? Ah, tu vas gagner. Ah, en vrai, c'est bon, c'est bon. Il a eu un petit coup de lag, j'ai l'impression. Oh bah, tu l'as déjà, toi. Ok. Contre le meilleur des combattants, je pense. Pour rien. Oh, ça, c'est dégueulasse. Tu refais ça, je te mets une barre dans la jambe. Ça prend de la route. C'est bizarre, quoi. Y'a quelqu'un qui a une crème pour les bleus ou ce genre de conneries? Quoi? Crème pour les bleus, je sais pas, pour aller mieux pour toi. Tu veux pas du lubrifiant? Oui, te demande à la dame, là, elle va te réparer. J'avais envie d'avoir des réponses. Garde, t'es que look. Très honnêtement, j'avais rien d'autre à faire. Allez, dites trop rapide pour moi. Pendant pas mal de temps. Ah ouais. Oh merci. J'ai eu mon petit lot de. Et tu veux que je reprise? Je sens un peu mieux. T'as fini, mais sur tes fesses, toi. Non, il va peut-être falloir que. Tu s'en ailles riche.
Encore à moi, c'est encore à moi, quoi. Allez, allez. La picole que tu m'as bu hier soir. C'est arrangé, Edgar, pour la suite. J'ai réussi. On est passé par quelqu'un. C'est pour quelqu'un. Non, c'est sac. S'il trouve des réponses. Ouais. Qui? Bon, je pense qu'on va réduire. Je sais pas où il est passé. Je sais pas qui c'est. J'ai manqué de passer, en fait. Tu parles très fort. Ah, d'accord. Ouais, c'est le gars là-bas qui est en train de parler avec Astarte. J'ai un sac poubelle dans le dos. Attendez, allez. Et toi, ça, c'est un sac de la Russie. Oh, y a un mec qui fait des trucs bizarres là. C'est moi, et moi conseiller. Ok. Parce que je me suis dit qu'il me fallait un but. Parce que j'ai pas d'attache. Ah, c'est pour les vitamines, ça, faire. C'est ça. Exactement. Chercher du travail, essayer de... Wow. Allez, vas-y, Edgar. Tire différemment. Il va me défoncer, l'autre enculé. Allez, ah, désabille-toi, on y va, là, bordel. Non. Il est où, Duval? Ben, c'est pas Duval, c'est moi, là. Bah non, toi, t'as déjà gagné, au pire. Duval, il est où? Bah, je sais pas, c'est... Un chef. Oh chef! Du coup, non. Non plus. Il est où, hein? C'est pas Duval hein, qui se bat normalement. Mais si. Moi, je comprends rien. Ouais, il a des problèmes de tête, quand même. Ah ouais, ça c'est relou, ça. Il y a beaucoup de monde dans la zone, donc les combats doivent pas être si fluides que ça au CAC. Hein. On connaît Daisy. Hein. Je reviens, je vais faire une course. Bon. Ouais, c'est désolant. Allez messieurs, tout nus et tout bronzés. Vas-y. Ouais, c'est pas... affaires. Attends, il est parti l'autre. Ouais, c'est moi qui reprends. Ah bon? Ok. C'est ce que j'ai cru comprendre dès le départ. Bon, et celui qui gagne, du coup, il affronte Seigneur Duval. Alors, le terre dans le chapeau. Ouais, chapeau, cigare. On va pas te brûler un œil, tu vas finir comme Edgar. Fais le cowboy, lui. Fais le cowboy, le corse. Mais il a mis les chaussures pour le bonheur, attention. En tout cas, poil avec ces bottes là, c'est pas mal hein. Porte les couilles, ouais. Regarde bien. Sûr que ce soit, c'est pas mal. Dommage qu'il n'y a pas plus de monde qui passe. Au moment où la porte claque, c'est bagarre. Bagarre. Allez, ils vont me faire tuer, ils boivent de l'eau. Allez, vas-y, Edgar. Il a tout compris. T'inquiète. J'aurais dû parier sur toi, putain. Il faut avoir les constantes bien à fond. Ça soit Edgar. Peut-être que là, il t'en met une, tu t'en vas la rimsting, hein. Ok. Ouais, mais c'est quoi, la porte claque, c'est la guerre. Ok. Ouais. La porte a claqué, putain. Et les petits mouvements de jambes, là, regarde. Allez, Ange, bordel. Oh. Il faut se protéger. Allez, Ange. Ouh, gros enchaînement. Oh, éclair de gars. No match. Défonce tout, no bah, match. Défonce tout, putain. Voilà. Donc c'est qui est monsieur Duval? Ah, c'est lequel? Ah ouais? Ah, il a encore des problèmes de tête. Merde. Ah, tu peux être habillé, Orange, hein? T'as failli me branler. Doucement, attendez. Très très belle branlée. Ben on attend monsieur Duval pour le dernier combat et puis s'il n'est pas là. Un peu comme tes conseils, hein, Franck. Hein. Il reste qui encore comme combattant qui a pas perdu? Il reste moi, Duval et Edgar. Ouais. C'est comment ton nom? C'est Sacha. Sacha. Ouais, Sacha. J'ai fait le combat précédent. Ouais. Pêche abricot ou fruits rouges, Bah allez, c'est Edgar contre le Sacha. Ouais. Edgar, tu dis quand t'es bon? Allez. Ah oui, Franck, conseil, easy.
Tu tankes 5-6 coups de poing chargés et c'est fini. Et encore 5-6. Ah, ça va être dur là, putain, avec Edgar. Il va falloir que je le gère, le bonhomme. Ah, fruits rouges en plus là, ce parfum là, je sais que je l'ai déjà goûté, enfin testé. C'était pas mal, hein. C'était pas mal du tout. Je vais pas me peler les couilles. Ok, je note, Franck. Et donc, attends, et tu fais bien attention. C'est. Parce que lui, il est chaud. Ah, essayez, il se souvient. J'espère que t'es chaud, gringo, parce que ça va péter. Ah, je suis chaud quand même, raison. Allez, le casque et les... C'est quoi, c'est des grosses bottes? Les petites provocations avant combat. Ces bottes. Pas de coup de pied, attention. Hein. Ah, oh oui. Oh, bah, de toute façon, quoi, si je suis par terre... Donc, okay. Sur la gueule. Il est incroyable, fruit rouge. Allez, c'est parti. Du coup, on y a réussi à m'enchaîner. Wow. Mais c'est encore un no match. Aïe. Qui va me stopper, bordel? Attends, je vais rester. Je reste à poil. Allez, au suivant. Putain, ouais. Je suis passé de l'autre côté. Putain, ils ont réussi à m'avoir. Bien joué. Okay. Merci, toi aussi. Bon, messieurs, la personne qui arrivera à vaincre le grand Edgar se verra récompensée d'un SR25. Si par contre elle perd, elle déposera son équipement au milieu du ring et elle repartira habillée, c'est tout. Mais ils vont pas oser, personne n'osera. Personne n'osera. Je veux bien reprendre ma revanche, mais bon. Si tu perds, tu repars avec. Tu repars en noir et rouge, hein. Tu dis au revoir à ton arme dans le dos, ton SVD. Ouais, mais il y a un SR à la clé. Mais il y a un SR25 à la clé. Le SR, je m'en bats les couilles, j'en ai plein chez moi. C'est pas pour le SR ouais. Que je le fais. Aussi, j'en ai tu prends le risque. 50 okay. Chez moi. Très bien. Ah, tu prends le risque de tout perdre, attention. Hein. La foutre. Moi, je me mets en revanche. Ah merde, par contre j'ai pas eu le médicament de la madame là. Doc, il est apte à combattre. Ils sont trois alors. J'espère qu'il va faire effet comme il faut, le médicament. Il me dit quand t'es prêt à combattre. Ouais, c'est bon, je suis prêt, ouais. Le médicament devrait faire effet sur le SR25 contre l'équipement de monsieur, au claquement de la porte. Bah bon. Vas-y. Mais enchaîne-le, au claquement de la porte, go. Bien. Vas-y, ouais, ah, c'était le moment, ouais. Vas-y. Tu m'auras pas une deuxième fois. Oh. Les esquives servent à rien. Allez, commence à comprendre le jeu du partenaire. Oh là 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 là. C'est toi. Putain. Les combats sont finis ou il en reste encore? Ouais. Eh ben Edgar, je te laisse récupérer la vue. Il a trop ouvert sa gueule. Ah ouais. Pas forcément, mais tu lui laisses ses vêtements. Et sachant que on lui a demandé, je crois que c'était Abaddon qui était avec nous à ce moment-là, je ne sais plus si quelqu'un peut me confirmer. Tous les lots sont pour le gagnant. Je sais même plus si c'était Abaddon. Ouais, et on lui a demandé, bah du coup, enfin, au moins si tu lui as dit autant de choses, tu lui as parlé des règles du Sud. Et là, il a dit oui.
fond, ouais. On a demandé les règles au monsieur et il ne savait juste que la première, c'était formidable. Il ne savait pas les autres. Alors, messieurs, on va avoir un petit problème. Je vous aime tous. Mais je vais compter sur l'honnêteté de la Légion. Surtout, disons que la récompense a disparu. Alors, je ne dis pas que forcément c'est l'un d'entre vous. Franck. Et je vais faire. Et. Dis ça plutôt. Ouais, vous a baisé le gnome. Oh le bâtard. Ah, il vous a baisé. Il vous a baisé. Ouais. Bah ouais, après, c'est surtout fou. Et... avec quel caisse surtout un irlandais. Le Big Show là, le petit, bon, là, attends, il est parti avec la récompense. Ah, il est parti avec la chine et tout, non ? On est 40 ans là. Mais c'est entendu, je peux perdre beaucoup d'or. Attendez, venez-moi. Ok. Après, on peut toujours essayer de le récupérer, enfin de le choper. Ah, d'accord. Bah, si vous chopez le gnome, vous en faites ce que vous voulez, ça ne me regarde plus. Le petit alors qu'il l'a récupéré. Alors, ouais, je l'enculer le gamin. Léon. Trop fort, beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort. Le petit mot, il a laissé un mot. Ah, il est là, le petit mot. Hop, il est là. Lisez-le. Il est trop fort. Oh non! Il est beaucoup trop fort. On y va? Oh! C'est une blague à prénom! Un nuage, ça par contre. Non, non, c'est juste les infectés de la zone. J'ai toute une horde qui arrive sur vous. C'était sûr en fait, c'était sûr! Bon, c'est quoi le programme? Là, qu'est-ce qui se passe? Allez, 1, 2. Une troupe. Je vois, c'est pareil, non? On voit pas, alors, je vois rien du tout, moi. Rassemble.
Bon. On a besoin de lui pour un travail sur les artefacts et voilà, ce sera bouclé, bâclé, terminé. Ok. Bon, j'ai regroupé tout le sud ici. Munitions, c'est pas que c'est cher, mais bon. Les pecno. Allô. Les pecno. Rassemblement du sud, messieurs. Toute personne de la communauté du sud, si vous souhaitez vous rassembler, s'il vous plaît. Et tout le monde a fait mes muses. Oh putain, y'a plus rien là. Non, y'a plus pas dehors non. Ouais, non, c'est fini. C'est juste qu'ils ont tiré, ils ont attiré tous les infectés qu'il y avait, c'était pas des mutants. Hein. D'accord. Ah, j'avais compris qu'il y avait une horde. Bah, c'est pas drôle. Ouais, cassé la gueule. Il y avait un nuage, mais en fait, il y avait rien. Putain. Hey, ça va les amis. Salut. Ça va? La guerre, il m'a cassé la gueule. Il est où? Ah ouais? Ah, ouais, c'est toi qui as tout perdu? Bah ouais, j'ai fait le, combat, ouais. Il m'a mis trois patates, il m'a cassé la gueule. Fragile. Bah attends, vraiment il a tué tout le monde, attends. Il a tué tout le monde. Ah mais je pense qu'il arrive à enchaîner 5 grosses patates d'un coup, je pense. Ouais, mais je pense qu'il a utilisé des techniques ancestrales, tu vois, il a dû mettre ses mains dans la neige pendant longtemps, elles sont dures comme du béton, tu vois. Après je dis rien, moi chaque fois il va faire des entraînements avec l'autre là. J'ai une photo s'il vous plaît, est-ce que la Légion pourrait se mettre au milieu? Et tous les habitants, faites une grande ligne en fait, s'il vous plaît. Faites une photo. Quoi, c'est quoi une exécution? Ouais, je tire le portrait de tout le monde. Ah oui, moi tu me tires pas dessus. Hein. Une grande ligne avec la Légion au milieu. Attends, c'est compliqué, ça faut faire des trucs sombres. Visiblement, c'est trop compliqué. Il y a des gens qui sont pas compliqués quoi. Ouais, c'est bon. Magnifique. Attends, faut que ça fasse une pause, héroïque. Hop là. Faut que tu me prennes en photo quand ça... Ah, tu vois. Ah. Eh monsieur, on n'oublie pas de sourire. Quand vous êtes lavé les dents. C'est bon. Quand j'étais en photo. Ah super. Okay, parfait. Vraiment un appareil photo? C'est stylé. Qui était derrière moi? Ah pardon. J'arrive pas à reculer. Extraordinaire. Moi je vais voir s'il n'y a pas ce putain de nom. Il y a plus que gnome. Le, c'est leur problème. Bah non, si je peux récupérer le SVD que j'ai perdu. Bah mais tu vas le retrouver comment dans le brouillard? Il y a qu'il est pas bien grand. Je vais y retourner. Mais il est retourné où? Bah dans le brouillard. Bon. Et il s'est passé quoi? Pourquoi tout le monde tirait là quand c'est arrivé? On va pas tarder, je veux juste voir ce qu'il va se tarotter en mur. Ouais, non, je sais, mais si je retrouve le gnome, je retrouve le SVD. Un autre SVD. Ah bon. Mec, il en avait un aussi. Ouais. Oui. Bah oui, parce que j'ai perdu face à lui, donc il me l'a pris. Bah, ah, c'est vrai c'est... Tu l'as mis où? Toi, t'as donné le tien, c'était pas à toi de donner le tien. En fait. Oh, super. Si, parce que y'a pas trop blanc, il est pas là. Un truc à gagner, puis j'ai dit, ouais, vas-y, je vais prendre ma revanche et le gars, il a le droit de prendre un truc dans les affaires. Bah. Il part que je vois, j'ai envie de te demander du coup, techniquement je suis deuxième, j'ai envie de voir si je gagne la bagnole ou pas. Mais, ah bah oui, t'as gagné la voiture. Ouais, mais ils sont partis. Lui, ils sont juste partis en randonnée 10 bon, jours en tout, donc là, il y a déjà plusieurs jours qui sont passés. C'est quoi? Ah, on va peut sortir la tête d'ours alors. On va prendre la voiture. Ah non, mais je barre avec la voiture. T'as gagné la voiture, là c'est à eux de... Ouais, Henri, règle numéro 2, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Ah mais Cro-Blanc, t'as vu, il a des problèmes de gestion de l'émotion, tu vois, avec Cro-Blanc, les animaux, une... c'est pas... Cro-Blanc, il porte une peau de loup sur ses épaules, il a rien à te dire. Mais c'est la peau de loup alpha, tu comprends? Oui, moi aussi, je suis... Moi, j'en cherche une d'ailleurs. Mais toi, c'est la peau d'ours, enfin, la tête d'ours alpha. C'est ce que je lui avais dit, moi, mais bon, il me croyait pas, donc faut que je lui montre, de toute façon, mais t'inquiète. Je mettrai ma peau d'ours et ma peau d'ours et ma tête. Pire, un coup de tête. Hein. Après, on fait ça et je une exploration, on y va. Ouais. Je serai un ours. Je sais pas, il y a un truc à faire à Astaroth ou pas? Bah là, non. Après, si vous souhaitez aller. On vole toutes les voitures qu'il y a ici.
avec les Allemands, il y a plus de clubs dans les garages là, je pense que c'est le moment ou jamais. Oh, il reste des garages qui sont pas verrouillés. On va y aller, hein. On est parti pour. Qui les Allemands, c'est les Verts là? Et les Allemands, on fait que des Allemands. Si tu veux, soit on prend des camions, on débarque directement chez eux. Non, c'est pas les Verts, c'est passé en vert les Allemands. Je préférerais à pied revenir en camion. Ouais. Je préfère à pied. Salut, je te comprends. Allons-y, c'est parti. Hyper flou là. On part où? Vous allez... Nulle part. Non, mais on y va. Tuer des gens. Attendez, laissez-moi juste un petit instant, faut que j'aille lire un chapitre. Ouais, pas de soucis. Vous connaissez la chanson. Hein. Là, ce qu'on fait, c'est attendez. Tu veux filmer? Attends, oui, on pourrait prendre pas, le petit nouveau avec nous là. Tu veux filmer quand on tue des gens? Oui. Vous allez faire quoi? Il est où? C'est Franck? Tuer des gens. Oui, tout à fait, oui. Et qui? Ah, salut Franck. En tout cas, je tenais à tous vous remercier en tout cas d'être venus pour le combat. Je suis désolé que ça s'est fini comme ça. On l'aura plus à l'œil la prochaine fois si ça se passe encore comme ça. Oui, on mettra au pire les récompenses sous ces lieux au Black Market et ça évitera de futurs problèmes. Ah oui, oui. Malheureusement, on apprend de ses erreurs. Mais faut refaire, mais faut pas qu'Edgar y joue, hein. C'est pas bon. Hein. Ouais. Il est trop fort. Il est bizarre, ouais, il est bizarre Edgar d'ailleurs. Ouais, ou alors on lui coupe les mains et il se bat avec des moignons. Hein. On invite vraiment les petits gens de la garde et tous les trous du cul là. Ouais, c'est qui d'ailleurs c'est... Parce qu'ils s'invitent comme s'ils allaient. C'est lui en fait qui propose. Aller prendre tous les titres et pourquoi pas moi. Non. Oui, il a emporté aussi les paris, hein. Ah oui, il a tout emporté. Il savait gagner. Ah oui, mais il y en a... Il... Mais en plus, il a le droit de prendre tout ce que t'as dans tes poches. J'ai perdu une deuxième fois, donc il a pris mon SVD. Ouais, mais qui? Il mérite de se faire virer. Bah, le Edgar, en fait, qui m'a battu. Le bâtard. Du HLM. Ceux du HLM et les voisins, avec moi. HLM et voisins, avec moi. Je finis, après, on voit. Juste ceux du HLM, juste ceux du HLM et les voisins, please. Elena, on va aller faire un truc juste avec ceux du HLM et les voisins. On revient juste ensuite après. Tu fais pas partie de vos voisins? Non, c'est... Pas exactement. On a prévu de faire un truc, justement. On va découper les têtes. Chut. Chouvra. Il est pas là le nouveau? Non, je crois pas. Derrière toi, Max. Derrière toi, Max. Ouais, si, il est derrière. On suce ma bite. Hein. Yo! Attends, cours. Ouais, j'aurais bien aimé tester le nouveau en vrai. Y'a que la chelette, mais. Et les voisins? Je sais pas comment vous appelez. Mais... Non, c'est vraiment chiant. C'est quoi, ça fait venir dans la maison verte là? On appelle les Green Power, non? Comme ça aussi. Mais je sais pas, vous êtes les voisins. Les cambrioleurs. Ah, vu Caron est souvent perdu, appelez-nous les Lost, hein, sinon. Hein. Très bien, à partir de maintenant, vous m'appelez. Non, j'oserais pas. Attention. Mais j'aimerais savoir quand est-ce qu'a été fondée votre maison. C'est Edgar, attends. Oh là là, touche un monde du sud, hein. Sale bâtard. Avec des anciens Marines. Mich. Ouais. Ça va être un bon moyen de tester un petit peu tout ce groupe-là. S'inviter les autres alors que... Ouais, là, c'est chiant, à chaque fois. 3, 6, 7, il y en a 2 en plus, et qui les 2 en plus? Henri qui est arrivé et Max qui nous a rejoint. Max. Ok. Ouais. Moi, c'est arrivé, j'étais dans la forêt. C'est vrai, moi, je vais aider. Est-ce que je l'ai perdu? Oui, moi, je l'ai parié dans un combat. Je me suis fait la télé couille et là, je. Non, c'est. Il a pris 3 patates, il est tombé. Il a failli le regagner, hein. Il a failli le regagner. Il a parié son SVD. Choura. Oui, il a parié son SVD. Oui. Je pense que c'est toi qui as la meilleure orientation parmi nous. Ekstat. Et d'ailleurs. Pour de ce qu'on a discuté, le problème va être réglé si jamais. Hein. Das eine guten chose à apprendre, ja. Tu seras le road captain, Shura.
C'est quoi le plan là? En quinconce, c'est quoi ce qu'on voit de merde là? Vas-y, boule de feu, boule de feu. En vrai, on aurait peut-être dû prendre le nouveau avec nous quand même, ça fait chier un peu. T'es qui le nouveau? Je sais pas, il s'est barré. Il est parti? Bon bah, qu'il fasse ses trucs et on verra. Comment il s'appelle le nouveau là? Je sais même pas. Il se fait recenser. Ouais, faut qu'il se fasse recenser. Bon. Ah non, moi je veux pas qu'il fasse ça. Sasha, il est là? Non, on verra, non, justement. Ça va, qu'il y ait que le HLM qui vienne. Nous marchons à Eckstadt pour l'empereur. On das Eist. L'empereur. L'antenne qui est là. Parti un pour la gauche. Hein. D'ailleurs, on a vu. Comment ça s'appelait déjà? Saverg. Vous avez C4? Non, on peut pas. Ah, mais c'est impossible de rentrer. Hein, sur le... Clairement, quand on trouve de l'explosif. Bah, du coup, faut qu'on passe à gauche. Là, il y a rien. Les Russes, non, les Allemands. Les Russes, apparemment, il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien chez les Russes. Hein. Oui, on avait vu ça. Les Russes, il y en a un de la. Yo, Cano, ça va quoi? Bonsoir, bonsoir. On va passer là où on habitait avant. Tu me diras le seul Russe qu'on a. Il y a des personnes qui habitent là-bas maintenant, je crois. Chez nous, dans ma belle maison. C'est... Ouais, on y est. En même temps, on bon, avait... écoute, ça va super. Ça va super. Limite, hein. Donc, bon, ça part en... Juste à mettre un coup en excursion, là. Je suis content de voir un groupe massif comme ça. Là. Je kiffe de fou. Il y a tous les hangars qui sont occupés et tous fermés. Saverg, c'est ça industriel, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tout, tout, tout. Comment ça s'appelle? Eh mais t'as un beagle avec une couleur chelou toi, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Sagwerg. Sagwerg. Il est plaqué or. Oh, un chargeur de M-Lock. Non, je l'ai troqué. Il est excellent ce petit parfum frais rouge là. J'aime bien. Et... Ouais, je lui ai donné une photo de cul, comme ça il pourra se branler dans sa piole et... Moi j'ai un truc utile, quoi. Tu peux faire point d'exclamation, serveur, canon. Et t'auras toutes les informations, mais oui, c'est un serveur RP français, whitelisté. À gauche. Bah on va pouvoir aller voir si vous voulez. Il y a un camion vert, il y a une Sarka verte. Et un camion vert? Ouais, et ils ont plusieurs bâtiments de fermés dans la zone. C'est à quoi? Tout à l'heure, en Sarka verte aussi, on avait une. Sarka verte? Parce qu'il y avait 3 mecs avant. Sur la page top server, tu pourras. T'auras toutes les infos. Un camion, il était à la cabine. Le Discord, etc., etc. Et une fois que tu as rejoint le Discord, après, toutes les informations sont directement dessus pour que tu puisses rejoindre si ça te tente. Et là, si vous me dites. Non, non. On les a croisés avec Aaron, ils avaient un camion vert. Cabine verte. Je crois que c'était une cabine bleue, hein, je sais plus. Je crois que c'était des Daltoniens. Apparemment, il y en a une qui dit que c'est des Allemands deux qui camions. Ouais, ou alors ils ont deux camions, alors celui qui l'a vu, les Daltoniens. À Eckstadt, on a carrément eu la confirmation que c'était eux. Hein. Carrément. Ah, oh, voilà. C'est chelou. Savator ou Salvador ou Savador, un truc comme ça. Ah, du coup, ils sont où? Là, en face de moi, juste droit devant. Gros bâtiment à gauche, à droite. Y'a pas de soucis, t'es bien vu. Pas de soucis. Non, c'est à droite là-bas là. Tu mets les grandes portes à côté de la cheminée. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Mon papa, il est pas là. Il est joli ce sac. On dirait... Bah oui, c'est un sac Spawns. C'est un Spawns Backpack. Joli sac. Ça, c'est nous qui l'avons fait tout à l'heure. Ah, c'est vous? Ouais. Okay. Où est le Road Captain? Je sais pas. J'aurais dû mettre la guillée aussi, on l'aurait reconnu. Là aussi, il y a un bâtiment, et regardez, pour voir ce qu'il y a dedans. Quoi? Vous pouvez m'ouvrir la porte là-bas, là?
bâtiment là-bas. C'est bon, quelqu'un y va. Mais là, regardez, le camion, il est là. Il est ici, là. Il y a moyen que ça soit lui, hein. Bah écoute, on nous a vraiment confirmé... Je sais pas s'ils habitent directement ici, tu vois. Peut-être que c'est les mecs des Stadt et qu'ils ont calé leur camtar ici, tu vois. Même si ça me paraît très bizarre. Ouais. Là, il est bien vert, en tout cas, le camion. Bah, celui des Stadt, c'est le même. C'est un Zil vert aussi avec Stadt. Hein. Bon, on va avec Stadt du coup. C'est ce que j'ai essayé. On peut pas ici. Mais ils ont dû utiliser. Ouais. Il y a des bruits bizarres. Ah, il y a des bruits chelous, les gars. Ouais, venez. Il y a un bâtiment qui est ouvert de droit devant là-bas. Oui, c'est là où on habitait avant. D'accord. On a laissé les constructions. Oh, comme ça. Vous avez entendu? Non. Ouais. Quoi? La gamine qui vient de d'appeler là. Oh putain. Ouais, mais c'était loin ou c'était proche? Ah, c'était loin ou c'était proche? Parce que ça se trouve, c'est juste au Black Market. C'était pas mal proche, hein. Ouais, mais le Black Market est très proche. Ouais, mais c'était pas le Black Market, ça, je pense pas. Oh putain. Ok, y'a un truc derrière là. Oh putain, ta mère. Sans jambes. Ouais, y'a un truc derrière. Ah ouais, y'a un truc sans jambes à côté de la. Du bâtiment, là, regardez devant, devant moi. Ouais, Tirez uniquement si c'est devant vous, d'accord? Oula, là, devant nous, il y en a pas mal là, regardez. Il y en a une vingtaine dans la forêt, tirez pas. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, c'est le moment où on part en courant vite comme des lâches là? Parce que celui-là est quand même assez sacrément gros le nuage là. Ouais, c'est un putain de nuage. Enfin. Wouah, avec l'éclair, ça. Oula! Ça fait au moins un ours mutant, ça. En plus. Là, ça descend. C'est bon, regarde. Il y a un corps nu. Oula, il est. Gauche. Du coup, c'est de merde. Il nous a pas vu. Ah, lui, il nous a vu par contre, je pense. On va se tirer dessus ou pas? Il me court dessus. Hein. Ouais. Allez-y. Ceux qui ont la possibilité de tirer, allez-y. Je me trouve de celui derrière. Ok. Oh la vache. Ça a l'air pas trop mal. Voilà. Attendez. Hop. Allez, je vais voir vite fait, trop bien. Non, fais gaffe, hein. Non, bah pas, voilà, non. J'y vais pas. C'est bon, j'ai compris. C'est moi, j'ai vu un screamer là. Hein? C'est possible. C'est quoi? J'ai vu un truc apparaître vite devant moi et puis ça disparaît un instant. Ah ouais, non, mais t'inquiète. Oh, tirez pas.
Bah attends, la dernière fois c'était mal passé donc. On va voir cette fois-ci, on va voir. Ouais, bon, rangez vos armes, au cas où qu'il croit pas qu'on est hostile. Rangez vos armes, ouais, rangez vos armes, s'il vous plaît. Salut, compagnon. Dites-lui bonjour. Incroyable, incroyable. Je vais montrer aucun signe d'hostilité. Vas-y, dis-nous bonjour aussi. Ah, merde, il y en a derrière lui qui court, là. Oula. Il s'approche un peu près, quand même, hein. Salut! On te veut aucun mal, fais pas mal non plus! Attention, c'est sur le muret! Oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est grimpe le mur! Ouais, non, attention à ceux sur le muret, attention à ceux sur le muret! Ouais, bah tu veux qu'on vienne, mais si on vient, on est pas bien! Comment te dire que. Ah! Putain! Ok, ouvrez le feu, pas sur le grand, pas sur le grand. Il va falloir remonter. Fenêtre. Ils vont pouvoir rentrer, ils vont rentrer. Je répare mon arme, je recharge. Waouh, mais tout ce qu'il y avait! Non, trop bien. Bon, après, on est nombreux. On a de quoi tenir, tu vois. Salut. On avait beaucoup, hein. Oui. Il y avait Théo. Ouais, il est là, gosse. Regarde, il a tapé un mutant pour nous sauver. Attendez, je descends. Oh. Il est où Théo? Il est là. Il est en train de manger. Ah ouais, il mange des fers. Il ferme le temps. Vérifiez bien vos armes, la mienne s'est enrayée comme un con. Il y a un blessé? Quelqu'un est blessé? Ouais, tout le monde va bien. Moi ça va, moi personnellement ça va. Le nuage s'est dissipé? Ouais. Tu as froid Théo? Oui. La vache. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je suis d'accord avec toi. Si je l'aide, il va me coucher aussi. Oh. Faut que j'y ai été au tout. Ah putain. Oui. Yo. Hey, pourquoi tu m'as fait ça? Ah. Oui, voilà, putain. J'adore Théo. Oh. Théo, c'est ceux de ta famille?
sœur parce qu'il les a tapés. C'est moi qui te parle, Théo. Ils sont de ta famille ? Tu me l'avais dit la dernière fois. Pourquoi il nous a fait tomber nous là ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Ça a fait de mal, Théo. Incroyable. Incroyable. Ah, ça va. Ouf. Moi, il veut te gommer. Il se trouve. Ouais, c'est normal. Oula. Oh, fais-nous tous tomber, fais-nous tous tomber. Attends, qu'est-ce qui se passe ? Tu veux qu'on grimpe ? Tu veux qu'on parte par là-bas ? Tu veux qu'on aille là-bas ? Ah, tu veux qu'on aille là-bas peut-être, ouais, c'est bon. C'est ça ? On va là-bas ? C'est oui, comme ça, c'est qu'on y va. Ouais, on va aller par là. Ok. Merci Théo de nous avoir aiguillé. J'adore. Tu tournes des émotions quand tu crois Théo. Revenez, mettez-vous en ligne. Espacez de 1 ou 2 mètres chacun. Et on reste côte à côte. Attends, on ne sprintez pas, d'accord ? Il faut ressortir mes serveurs en mode. Arrêtez-vous là, au niveau de. On s'arrête à la route. Voilà, à la route. Voilà, nickel. Ah, bah c'est bon, tu peux marcher en même temps, hein, t'inquiète. Ah non, on sait jamais. Ok, ok. Il y a des ours dans cette forêt. Hein. Ah, bah c'est bon d'abord. Ouais. Vas-y, loup aussi. Putain, y'a Théo. Attends, on arrive Théo. Là-bas. Allez, on y va. Faut qu'on suive ce chemin. Dans la forêt ? On suit le chemin les gars. Ouais. Dans le suspense ce chemin ? Non. Non, je pense que c'est la forêt. Non, il indique vers... Il y a un château là-haut. Allez, suivez. Ah. Ah, j'espère il indique pas ça quand même. On nous en a parlé tout à l'heure. Comment il s'appelait déjà ? Le conclave ? Les gars, il y a des sacrés bruits en bas de la montagne là. Hein. Vous entendez aussi ou ? Oui, ben mettez-vous en ligne. Ouais. J'ai l'impression que la terre est en train de s'ouvrir en deux quoi. L'entrée est à droite, on est déjà venu ici une fois ou deux. On n'est jamais rentré, mais on sait pas ce que c'est. Oula. Là-dedans, quand même. Pas mal, les gars. Je sais pas comment on peut rentrer, les gars. Non, pas sûr. Faites attention aux barbelés, hein. Apparemment, ils ont complètement déserté la zone. Prenez des positions en hauteur si vous pouvez. Oh putain. Ça sort de l'intérieur, faites gaffe. Gauche. Dans la forêt, ça arrive. Ah merde, on a un seul Henri. Ah, ça fait la fois qu'elle fait ça. Lui. 11 plutôt, non. Putain, l'enclave. Il a fumé, t'es trouillé. Ça. Ok, je m'en rappelle, ça s'appelait l'enclave. L'enclave ici. D'accord. Et quoi, on peut. Tu penses qu'on peut passer par la roche ? Je sais pas. Par en haut ? Et pas du tout. Là, c'est... On est vraiment passé en coup de vent ici tout à l'heure. Ouais, il y a des loups. Vous êtes sûr qu'il y en a plus là ?
Ouais, ça a l'air d'être bon. Est-ce que quelqu'un a un truc pour réparer son arme? Ouais, attends, je te le pose. Ouais, j'ai ça. Vas-y, attends, je vais ressortir. Ah, bon. Ah, même, il faudrait que je me trouve de la 556, là, je commence à être en rade. Regarde le blason qu'ils ont sur le crâne. Bonsoir. Bonsoir. Ah, quelqu'un qui a dit bonsoir. Bonsoir. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes où? Gauche, gauche. Oh putain. Oh! Y'en a un qui est là! Waouh! Oh, le calot! J'ai entendu les tirs, on s'est dit que vous avez peut-être besoin d'aide. Mais... on voit que vous êtes. Vous devez aller dans la forêt là. Hein? Rejoignez vos collègues s'il vous plaît. Comment? Ouais, il est parti où ton ami? Au revoir. Lou, derrière vous, attention. Voilà. Un deuxième, sûrement, attention. Ils sont en horde. En meute. Ouais, en meute, bien vu. Et du coup, vous êtes? De la MDR. On vient bien d'arriver sur. Van Secret. Attention, Lou. MDR. Attention, Lou. C'est bon, et puis. Ça veut dire? Comment? Ça veut dire. C'est l'acronyme de quoi, MDR? Des initiales de nos prénoms. On va chercher très loin, tu vois. Surtout la enfin, Max. T'as le truc pour réparer ton rempli là, on va faire un coup de fait sur notre territoire. T'as vu? Ouais. Le loup qui arrive. Bah, bon courage, messieurs. Vas-y, à plus tard, messieurs, ouais. Et merci d'être venu aider. Y'a pas de soucis, allez, au revoir. Mais bouge pas. T'es derrière toi. C'est bon, tu peux le reprendre. C'est à qui qui parlait dans la forêt là? Je sais pas. Il a dit à nous, retourne vers tes copains. La prochaine fois, tu nous montres qu'on est 11 et qu'ils sont 4, quoi. Je sais pas qui parlait. Il a pas vraiment d'ordre à te donner. Je pense qu'il parlait à moi. Il me disait de pas aller dans la forêt là-bas, là, au fond. Parce qu'il doit avoir un de ses potes. Mais du coup, oui, c'est parce qu'il y a un mec qui est parti là-bas. Et il voulait nous encercler. Ouais. Et tout ça. Non. Ou alors ils ont quelque chose à cacher, mais ça me donne envie d'y aller du coup. Dans la forêt, oui, mais de toute façon on y passera. Ah, Théo, tu nous entends? Qui sont leur acronyme de leur prénom? Ouais, bon. Les barbelés. Théo, on est là où tu veux qu'on aille, on peut pas rentrer. Aide-nous. Elle cherchait s'il y a pas une. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, ils sont sortis de quelque part. Hein. En tout cas, les mecs là, ils étaient exactement là où il y avait les petites bases. Personne a une scie? Et qu'on passe quoi ici? On peut pas rentrer. Il y a une antenne en haut, il y a peut-être un accès par le haut, non? Oui, il y a une antenne au-dessus, il y a une tour de l'autre côté. Et une grosse antenne. Ouais, il y a une tour également à gauche, là, regardez. Sur la gauche, il y a une tour. Il y a peut-être un autre accès. Allez, essayons. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. J'ai pas ce qu'il faut faire, mais c'est une très grosse arme là. Ah bah ouais, mais la tour, ça, elle est là où on pourra pas y accéder. Ah oui, elle est très haute. Je pense qu'on pourra peut-être monter là-haut. Par contre, du coup, on sait que c'est eux qui habitent en bas, hein, du coup, hein, si jamais. En bas où ça? Ah bah c'est eux, ils ont dit. Ah là, en bas, dans les inverses. Attends, mais c'est quoi cette arme là qui tire là? 50, je pense. Il y aura un barrette, tellement que c'est bon. Y'a pas une putain d'ouverture? Ah bah oui, regarde, ils viennent en voiture là. Non, en voiture juste en bas là. Ils repassent là, regarde.
Je pense pas que Théo ouais, nous ait indiqué cet endroit pour rien, les gars. Bah non, on fait on doit pouvoir monter là à gauche, venez voir. Là c'est mort, on y montera pas. Ouais, je pense là où on s'est monté, là où on s'est abrité, on doit pouvoir monter. Là. Non, non, regarde ici. Là. Voilà. Ah là, tu penses? On va peut-être voir. Oh, ça courait devant là. Il y a deux personnes en face. En face, ouais. Ça courait? Par ici, par ici. Qui est là? Derrière. Ah, monsieur. Ah, ah bah vous êtes là. Ah, je cours trop vite. Derrière, attention. Derrière vous. On a rencontré Théo à Starot. Ah, ouais, d'accord. On a rencontré Théo. Et on a vu un géant aussi. On s'est fait attaquer par une horde de mutants qui ressemble à Théo, mais très méchant, quoi. D'accord. Et ouais. Il nous a montré l'enclave. Oui, c'est ça, bah, c'est ce que je t'ai parlé tout à l'heure. Et je me demande pourquoi ça, est-ce que... Si c'est anciennement l'enclave, ils habitent plus ici, mais... Attention. Il y a encore leur sarcophage. En fait, ça s'appelle le sarcophage, ça, si je dois faire. J'ai fait attaquer par des aides assez bizarres. Il y a un câble par terre, ça, c'est bon, c'est pour moi. Mais je sais pas pourquoi il nous a indiqué ça du côté. Hein, Je sais pas pourquoi il nous a indiqué ça, du coup. Bah je sais pas, parce que je t'avoue que en vrai, hein, entre nous, y a pas beaucoup d'intérêt. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Hein. Parce que c'est un groupe qui n'existe plus et à l'intérieur, donc en gros ça s'appelle le sarcophage, et à l'intérieur en fait il y a un sarcophage en verre avec leur soi-disant patron à l'intérieur. En fait c'était des tarés qui avaient une voix dans leur tête et ils pensaient que c'était leur patron qui leur donnait les ordres et qui les guidait, machin et autre. D'accord. Ça serait intéressant quand même de rentrer pour être sûr. Mais on peut pas. Il y a peut-être des documents. Ah mais j'en suis sûr, je suis déjà rentré, je traitais diplomatiquement avec eux à l'époque. D'accord. Et il y a le Hada qui est revenu. Eh mais lui il me suit depuis tout à l'heure en plus aussi là. Oh mais vas-y, mais il fout quoi là? Ah mais c'est vous deux, c'est vous. Vous entendez les tirs là-bas par contre? Ça on va y aller nous hein. Oh Théo. Théo. On a fait bon. Dans les vieux, on dit, ouais, il y a les gars du sud à l'enclave. J'ai fait, bon bah on y va. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Cercle. Bah, on va aller sur Excel. Allez au cercle, allez. Go au cercle. Faut aller au cercle les gars. Oh c'est mon pote aussi Théo là. Allez go. Attendez, on s'attend qu'on soit au visuel. Ou du moins que celui de derrière et celui de devant visuel tout le temps. On fait, je sais pas, on fait une colonne et... On fait deux groupes, on est combien? On va faire ça, ça ira plus vite. On fait deux groupes, un groupe Samuel, un groupe moi. On est combien? On va diviser en deux. Quelqu'un peut transformer. Arrêtez-vous. Ah, j'en ai plus du tout. Ouais, j'en ai. Venez tout seul. Tout le monde. Attention, il y a la voiture qui arrive. Attendez. Partez-vous. C'est jamais. Voilà, c'est bon. Ah bah c'est vrai, ils ont pris leur voiture, 3, ils vont 6, pas la laisser. 9, 10, 11. Ah tiens, nombre impair. 11 et les 3 là-bas, on est 14, ouais, on avance. C'est bon. Vas-y, moi je ferme la marche au pire. C'est bon, en fait toi. Ouais, ceux qui n'ont pas l'habitude des armes, restent au milieu, moi je ferme la marche. 3 hommes avec moi derrière pour fermer. Et bon, t'inquiète, je ferme la main avec toi. J'ai pris ma grosse berça de toute façon. Alors nagez un petit peu les gars. Non, on a pas besoin justement. Non, à gauche. Le cercle à gauche, il n'y a pas besoin de... Ah d'accord, ok. Mais c'est une arme qui est immense. C'est lui qui est encore ça. Un truc comme ça. Ok. Il y a la sarca des mecs tout le monde qui se ramène. Théo arrive encore à écrire. Moi, c'est ce genre de détails qui me reste dans la tête. Vous avez ramassé le papier ?
était juste sur le dessus. Ouais, mais je me demande si eux ne l'auraient pas vu, tu vois. Peut-être un docteur Mike, ça se trouve on est passé à côté de ça. Ok, attendez. Il tirait pas, je suis. Ah, c'est là, j'ai vu d'ailleurs le bâtiment. Ah, ok, là où il y a la frontière. Ouais. Ah d'accord. Quand bah, je vais juste vous dire une dernière chose là les gars, avant qu'on arrive là-bas, s'il y a encore un seul mec qui nous menace, qui nous parle mal ou un truc comme ça, vous lui pointez tous vos armes sur sa gueule et on le fout à genoux, d'accord? Ah bien sûr. Mais les gars, vous laissez pas faire, hein. Eh, ici c'est chez vous les gars. C'était pas dans le truc. Bah faites gaffe, restez pas trop sur la route en ces années, moi et Léon une fois qu'il a écrasé quelqu'un ici. Léon arrive à 120 ici, il a mis la voiture sur la rambarde, hein, donc fais gaffe. Ouais, mais c'est Léon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Léon, c'est vrai. Ah, les apparitions de Théo, c'est toujours quelque chose. Il y a chose, la Sarka sur le pont. Il fout. Il va se tente. On fait quoi? On en laisse à l'entrée du pont? On va viser là-bas, ouais. J'espère que tout le monde entend. T'attends tout ça un tirer. À droite, il y en a un qui vous a entendu. On remplace les os. Hop, c'est bon. Ah bah le cercle c'est déjà fini. On a tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous manque quelqu'un là, non? Normalement non. 3, 6, 9, normalement comptez-vous, 10, il est, 11, on est 11. 11 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non c'est bon. C'est bon, on est au complet. Ok, ok. Il y a une voiture en travers, un véhicule d'enfant. Prenez la totalité du pont. On est 11, 5 à gauche, 6 à droite. Si on doit ouvrir le feu, la première ligne, vous vous allongez, la deuxième ligne accroupie, et ceux à l'arrière, vous restez debout, vous attendez que les autres chargent pour ouvrir le feu. Et puis s'il y a un véhicule, visez les pneus. Je reste devant, j'ai qu'un pont. Oh, vous foudroyez le moteur. Visez pas la personne. Je pense que c'est les collègues au fond là-bas, non? Non, c'est une Sarka, ça c'est pas un Ada. Vous voulez pas confirmer derrière nous? Tant que ça bloque un peu ceux qui veulent partir et ceux qui veulent arriver. Ouais, excellente idée, ouais. Deux qui prennent les tours, ouais. Deux qui restent autour pour bloquer l'entrée. On peut pas aller dans les tours, c'est fermé à clé. Il y a des hommes armés devant la grande tour. Reste à l'arrière, je vais prendre la tête. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, les gars, on ralentit le pas. Juste que j'ai du monde devant. Si jamais ça tire, j'ai qu'un pompe. Hein. Mettez-vous en formation en V. Bon, c'est les gars de la garde, il y a BNDA, je sais pas quoi là. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh ben on sait pas. Mais ça va! Mais moi, calmez-vous aussi! Pour l'instant on est calme. Comment ça calmez-vous? Forcément ils sont pas très contents qu'on vienne... Qu'est-ce qui se passe ici?
Basta, viens voir, viens voir. Viens moi, je suis gelé. Ouais, je suis là. Contact sur la gauche. On bloque la sortie ou pas? Contact sur la gauche, sur les murs là-bas. Il est descendu. Une personne. On va voir qui c'est. Ouais. Il n'y a pas de personne officielle. La grappe. Il était sur un petit muret là, devant nous. Là, là, devant là mur. Ouais, ouais. Il était dessus. Est-ce qu'il y a un escalier pour la zone à gauche? Il y a un beau bizarre. Voilà, bah, on retourne là toi. Ça doit être un mec de la garde, un truc comme ça, je pense, le gars. Bien. Messieurs, dames, la MDA vous êtes invités. Je vous invite à rester sur les lieux. Comité du Sud, je vous invite à vous mettre en face de moi. Messieurs de la Légion, je vous invite à me rejoindre à mes côtés. Ainsi que les hommes de la garde, là. Et on s'active. Et on avait entendu. J'ai demandé à la MDA de se mettre sur mon côté droit, donc par là. Et de se tenir correctement, s'il vous plaît, quand même. C'est une assemblée. Merci. Parfait. Quelques soucis de santé. Alors, on va faire quelques brèves présentations. Sacha, si tu peux venir devant moi. Sacha, merci. Je vais te présenter à tout le monde. Homme de la MDA, je vous présente Sacha. Membre principal de la garde, qui a rejoint et fait serment pour le Sud. Sacha, je vais te présenter un membre de la Légion que tu n'as jamais rencontré. Ils sont pas tous là, la Légion, ils font quoi? Ils se touchent? J'ai déjà rencontré Azog. Ah, mais non, il est devant moi. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Sacha. Ça me fait plaisir de te retrouver. Oh, ça me... non. Hein? Martin? Eh oui, c'est Martin. D'accord, toi, si je t'avais bien dit de revenir et de m'écouter un jour. Mais c'est con, tu l'as pas fait. On sait jamais. Bah, j'étais au Sud. Ah oui, t'étais au Sud. Ah bah si, tu pouvais revenir. Regarde, tu es bien ici. Ah, je suis venu. Oui, mais là, je suis revenu parce qu'il y avait des coups de feu. Parle tout doucement. Je t'avais dit que... Je t'ai dit la première fois que je te compte à laisser une chance, que ça se finirait mal pour toi. La deuxième fois, on t'a laissé une chance. T'étais pas plus tard que dans cette église, la magnifique, tous autour de toi, en train de t'expliquer que... qu'il fallait que tu reviennes et puis que tu payes ce que tu avais fait. Il m'a dit oui, devant plusieurs témoins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parti au Sud. Ouais. J'ai suivi les ordres qu'on m'a donnés. Voilà. Bah aujourd'hui, je pense que c'est Monsieur la fin. Monsieur l'homme, j'ai demandé aucune personne de vous. La fin dans quelques secondes. Ah bah la fin, tu sais, c'est celle où on revient pas. Est-ce que au moins il y a un truc que je dois faire avant ou pas? Ah non. Par exemple, occuper des cris derrière. À part te mettre à genoux. Tu peux te mettre à genoux maintenant. Oui, mets-toi à genoux devant moi. Que c'est comme ça. C'est trop du.
aussi, c'est... Si j'envoie un seul qui est hors de la légion qui touche au matériel de ces hommes, je la bats. Écartez-vous tous, on va laisser faire la grâce. Oh merde. Ah mais non, c'est pas vrai, très bien, Martin. Martin, reste avec nous. Allez. Il a un bon gilet, t'inquiète pas, il a un bon gilet. C'est moche de faire ça. Mais c'est pareil, les aspirateurs là. Barrez-vous. Et c'est bon, laisse tomber. T'arrêtes de boire, toi. Hein. C'est impressionnant. Hein. T'es incontrôlable quand tu bois. Moi, je fais mes petits screens. Incroyable. Mais c'est dommage de gâcher une scène comme ça, copain. Bof. Tu me diras, c'est un barreau d'honneur. Bon. Maintiens, hein. J'ai encore du pouls. Il va falloir en mettre 5 quand même. J'ai une saline s'il faut. J'ai une injection à lui mettre. J'irai pas, je pense. J'ai peut-être de la morphine s'il faut. On va compresser les plaies. J'ai l'épinéphrine s'il faut, faut refaire battre son cœur. Ouais, j'avais là, j'en ai une. Moi j'ai de la morphine parce que je suis un drogué. Ok, je lui injecte. Non, c'est de la légion. Je vais la mettre dans la cuisse au niveau de la grosse artère. Voilà. Une lumière. Quelqu'un a une lampe torche ou quelque chose? Une lampe torche. Oui. Ouais, je la veux bien. J'ai du haut négatif aussi, si ça peut t'aider. Ok, c'est bon. Pupilles sont dilatées. Bah, apparemment, moi aussi, je suis bien dilaté. Ah, tout le monde a crash. Le serveur. J'ai pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Minuit pile. Ah mais oui. Oh, c'est le restart. Oh, le mec va perdre tout son stuff. Bon, je pense qu'ils lui rembourseront. Dans le pire des cas, j'irai qu'une partie de son stuff, s'il faut, tu vois. Alors, pour t'expliquer. Sacha a fait partie d'un premier groupe, puis un deuxième. Là, il vient de retrouver un membre de son groupe qui fait maintenant partie de la Légion. Lui est allé dans la garde, etc. Mais il n'a pas pris compte de ce que ses chefs lui avaient dit avant. Et du coup, je pense que son chef voulait lui régler son compte. Je vais juste attendre, ça restart vite, hein. Ça devrait être bon même. Hop. Sacha est mort, exactement. Sacha is dead in a pack. C'est dommage. Franchement, tu te prends une mort RP où t'as peut-être 20 personnes autour de toi. T'as une scène comme ça. C'est une chance en vrai. Salut Famas. Ça va ou quoi Famas? Beau combat Hans hein, quand même. Mais t'es tombé sur un champion là je crois. Hein. Ça se reco. Bon bah les pupilles sont moins dilatées du coup. Ouais mais bof la fin. Ah. On va dire que ça reste RP.
Voilà. On va dire que ça reste RP. Ça pourrait être mieux, mais ça reste RP. Ça doit être une luxure. Simple bandage suffit. Ah non, j'aime bien tourner. J'aime juste faire ça avec mes bras. Ah d'accord, pour moi. Hop, voilà. Bandage. Moi j'aime bien faire ça. Allez. T'inquiète, Constantin. Bon, c'est pas à nous de gérer ça. Ça, je suis sûr que c'est Azog. Ah, magnifique, t'as pris le relais. Ouais. Et il s'est passé quoi? Pourquoi ça a tiré? Une impasse mexicaine, apparemment. On appelle ça une impasse mexicaine. Ah ouais, une impasse mexicaine. Ouais. Putain, je connais. Mais c'est qui est mort? C'est Sacha. Ah. Sacha? Sacha l'enculé? Ouais, le aigri, tu sais. Ah ouais, celui qui était casse-couille. Ouais, ouais, ouais. Eh, Martin, putain. C'est Martin, c'est ça? Ouais. Allez Martin, il y a tes potes autour de toi, il faut que tu te relèves là. Allez. Et il est âgé. C'est qui par terre là? Faut le sauver, merde. Quelqu'un lui fait du bouche à bouche, s'il vous plaît. Aaron. Faut le réoxygéner là. Je suis malade de la grippe. Oh les patins. Moi j'ai mangé libanais. Bon, on peut y aller. Mais c'est malade, c'est pour lui. Lui là-bas. Là-bas là qui se court en courant là. C'est Marie, non? Une petite gorgée de teinture. Allez. Parfait. Allez Martin, putain! Vous allez voir ce qui se passait. Allez Martin, allez! Oui, t'es impatient de savoir ce qui s'est passé. Eh bordel! Allez, on souffle! Putain, on a du coup, on a du coup. Mais tu vas te réveiller, bordel de merde! Sans le chorizo! Tu me dis que tu veux prendre le relais. Je veux bien que tu prennes le relais, ouais, je commence à plus avoir de bras là. Et je crois qu'il y en a un deuxième qui est par terre, c'est ça Constantin? Putain, je commence à avoir des petits tours. Allez, putain! Allez. Voilà, c'est bien. Dans le rythme de Staying Alive. 70 balais, tu vas pas de lâcher maintenant, putain! Staying Alive? Hein? Je crois que ça repart, on va peut-être le décaler dans l'infirmerie, non? Ok, c'est où l'infirmerie? Allez, juste à côté. Bon, allez. Vas-y, je peux dire. Brancardier! On en a pas, c'est vrai. 1, 2, 3. 2, 3. Allez, hop! Allez! Allez. Faut me guider, hein, je vois pas, j'ai pas de. C'est un petit peu sur ta gauche. Sur ta gauche. Ouais, ta gauche, encore un peu à gauche. Gauche ok, là, sur, ok, là sur ta droite, attention les marches. Voix, okay, recule un peu. Ouais, vas-y, ouais, ouais, c'est bien, vas-y, commande, commande, commande. Ok. Ok. Quelle salle vous allez prendre? La première. La première. Au fond à gauche. Fond à gauche. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. Le médecin, s'il te plaît, t'es où? Moi, c'est Benjamin. Hop là, sur le brancard. Quelqu'un a besoin d'un médecin? Oh putain, elle est lourde. Oui. Non, ben oui. On en a. Ah, j'étais là. Si quelqu'un a besoin d'un médecin, je suis médecin. Docteur. Docteur Larnac. Ouais, il est juste assistant. Ouais, j'assiste l'assistant de la. Il est l'assistant de l'assistant de l'assisté. Non, je vois ça. C'est le gars de chez vous qui vomissait, il a un. Il va mieux? Vous êtes médecin ou pas, merde? Oui. Allez, allez. Aidez-le, merde. Allez, Doc. À ce qu'on appelait le cercle à l'époque. Ah ouais, c'est toujours aussi moche ici. Ça a pas changé, ouais. Ouais, je le fais pas dire. Juste ah, vérifier par si. Par contre, j'ai raté. J'ai bougez pas. Pourquoi je vois des gens du. Non,
Je suis dans les ténèbres là, non. Non, 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 non. Pas ça. Vous êtes pas dans les ténèbres. C'est moi, Martin. C'est moi. C'est moi. Ah, toi, je te reconnais. Mais pourquoi il y a des. Il y a les gens du sud qui sont là. Pourquoi? Je sais. Martin, c'est pour ton bien. Laisse-les faire. Ils sont en train de te soigner. D'accord. Ok. Ah, bah, c'est gentil. Pourquoi j'avais une mauvaise image de vous alors que vous faites des trucs sympas? Parfois, oui. Parce qu'il y a une époque, on était en conflit, malheureusement. Vous arrivez à suivre la lumière? Gauche. Regardez, je vais sur la droite. Ouais. Ouais. Oula. Ouais. Sur la gauche. Ouais. Okay. Ouais. Pas besoin d'être 12 autour de sa personne, si vous voulez, par contre. Je vais juste renettoyer la plaie. Hein. Chercher un peu d'eau. Pourquoi j'ai si mal, là? Au ventre. Because. Il y a un puits ici ou quoi? Il y a un puits ici? Non. Là? Mais tu veux de la flotte? Ouais, c'est bon, impeccable. Pompe. Merci. Vous lui ajoutez quoi, monsieur? S'il vous plaît. Pardon. Je subis seulement ce qui est nécessaire. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est simplement une couverture d'antibiotiques, quoi que ce soit, pour tout ce qu'il a eu. Prends une pastille, Alex. Prends une pastille, Alex. Désinfecte. Ok, impeccable. Merci. Je vais mettre... Selon le carnet de santé de Monsieur Martin, j'ai demandé à tous les cons de sortir de cette pièce. Ah bah voilà, enfin quelqu'un de sensé. Je vais lui mettre juste. Ouais. Ah, on va la mettre sur le bras. Est-ce que les proches peuvent rester s'il vous plaît? Je vais avoir besoin de place, hein, surtout. Ça dépend, est-ce que t'es con? Ah bah après tu me diras, t'avais rejoint le cercle donc t'es un peu con. Allez hop, ça sort. Si vous voulez qu'on aide votre pote, il va falloir juste sortir. Votre pote a perdu beaucoup de sang, on peut le laisser comme ça si vous voulez. Si tu veux, j'ai une poche de sang pour lui. On n'est pas là pour lui faire du mal. Il est arrivé quoi là? Capacité en accès à l'hôpital. C'est de l'eau avec du sucre. On est au cercle. C'est pour. Où es-tu? C'est pour l'aider. De l'eau avec du sucre. Bah c'est, on va dire ça comme non, ça. Que... Moi, je suis content de dire un truc, c'est que je suis pas sourd. Vu comment je suis quelque part. Est-ce que tu veux une toile de sang en plus? Allez, on sort de l'infirmerie. Voilà. Je veux bien sortir, mais. Greg. S'il lui arrive quelque chose. Il lui arrivera rien. Et garde tes menaces pour toi, par contre. Pardon? Ouais, ça c'est une. Désolé, il a un peu pas mal de whisky depuis tout à l'heure. Ouais, faut arrêter l'alcool, hein, messieurs, c'est pas bon. Ouais, s'il te plaît, arrête de crier dans ton mégaphone, merci bien. Ok, ça marche, ça marche. Ça fait longtemps que j'étais pas occupé du moins comme ça. Bah, il faut, par contre. C'est pas désagréable pour le coup. Ok, c'est bien ça. Tac, tac, tac. Ok, je vais désinfecter la plaie. Pour être sûr. Oh, merci beaucoup. Et merci pour le follow, Barakuda. Okay, les dégâts du de la communauté du Sud. Ici. Ah bon Dieu, mais vous êtes beaucoup. Oh okay, que oui. Et salut Yoko, la forme ou quoi? Ça va aller? Vous sentez comment? Je vais respirer, merde. Bah, quand même mieux. Ok. Il va falloir un peu de repos, hein, le temps que tout ça cicatrise. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai des brides de souvenirs qui viennent là en fait, parce que j'ai l'impression de nous revoir un peu plus loin. Enfin, là, dans le cercle, à discuter. Mais je sais pas ce qui s'est passé après. Disons qu'il y a eu, comme qui dirait, un échange de coups de feu. Ouais. Entre vous et un certain Sacha. Ah merde. Ah! Il est mort. Il est mort. Ah! Ah bah j'ai beaucoup moins mal. Ah et bah bienvenue dans cette grande communauté de joueurs Daisy Yoko. Oui, je me sens. Attendez, je vais essayer de m'accroupir. Ok. Vas-y. Allez-y doucement. Ça... Attendez, je vais me relever parce que ma jambe elle appuie sur ma plaie. Allez-y. Ah ouais, ça va. Je tiens debout. Ça va aller? Ouais, ça va. Bon, la plaie... Parce qu'on m'a donné, mais ça fait du pire. On vous a simplement injecté une solution saline, d'accord? D'accord. Grosso merdo, comme je disais, c'est de l'eau avec du sucre, c'est simplement pour... comment dirais-je? Comment on dirait, Aaron? Au niveau de la solution saline. Bah, tout simplement, avec le sang que vous avez perdu, forcément, il va falloir... Voilà, ça vous remet d'aplomb, ça vous remet les sels minéraux, tout ce qui est...
tout ce qui va vous permettre de vous relever. On vous a injecté un peu de sang en prévention. Sur c'est du sang négatif, vous inquiétez pas. Pas de problème. Je vais vous laisser ça. Et puis voilà. Juste au cas où si la plaie se réinfecte, d'accord ? Vous pouvez prendre ça. Ah, c'est très gentil, monsieur. Et pensez à bien changer les bandages régulièrement, d'accord ? D'accord. Je ferai attention. Toutes les 4 à 6 heures. Vous avez un cabinet médical, vous, dans le sud ou pas ? À Rimsting. Donc si vous êtes. S'il y en a. Enfin, si votre. Si le chef de qui était. Enfin, un des gens du sud, là, est d'accord que j'y aille. Parce qu'on va dire que j'étais pas du tout désiré dans le sud à une époque. Faudra voir ça avec Astaroth. Je vous laisse des bandages, ils sont stérilisés. Ah merci, c'est fort aimable. Donc au moins vous avez de quoi, vous avez de quoi soigner la plaie. Si ça commence à gratter, il faut retirer l'ancien bandage, réappliquer du désinfectant et remettre un bandage d'accord. Par-dessus pour éviter le contact avec l'air. Ok ? Ok. Vous allez réussir à marcher ? On s'est sorti. Oui, ça va aller. Ok, parfait. Impeccable. Merci beaucoup. Ah. Si la MDA peut venir devant la Légion, s'il vous plaît. Il y en a un qui queen de chez eux, là. Je sais pas si c'est eux, bon. Ouais. C'est bon, il va s'en sortir à Starot. Ah, nickel. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, non. Bon. Affaire de moins pour nous. Et je pense qu'avec ça, les haches de guerre ont été enterrées par celle de. Enfin, du moins les haches du passé. Point d'exclamation serveur, Yoko. Point d'exclamation ça, serveur. Ça, y'a aucun souci avec ça. Moi, j'ai bien aimé cette petite exécution. Ouais, moi aussi. Désolé pour vous, Martin, d'avoir pris des cartouches, mais bon. Avec un U. Ouais, mais c'est pas grave, on m'a rassuré en disant qu'il était mort. Donc, je dois, pour le coup, je suis beaucoup mieux. Ah bah, elle s'est fait percer par. Bon, par contre, je vous avais fait une promesse en échange de ça. Suivez-moi. Tiens, prends ça. Qui est malade là? C'est bon, je m'en occupe. Elle a fait de la pompe dans le rembarde là, normal. C'est pas à nous. À qui j'avais pris la lampe? À qui? Pas moi en tout cas. Non, ok. Il y a plein d'armes là sur la rambarde, d'accord. Non. On va les laisser, c'est pas un. À qui tout ça là? On va dire que j'ai trouvé une ancienne pompe à vélo, je l'ai converti en pompe à bite. Si je vois. Ok, allez, c'est l'arme, allez-y. Il a l'influenza, il vient à peine de se faire. Bien vous en donner la paix. Je vous en remercie. Wouah, mais c'est trop beau! Fouiller à l'intérieur, je crois qu'il y a des portes à faire sauter. Ouais, j'ai ce qu'il faut pour ça. Par contre, il y avait celui-là. Et là, c'est une autre comédie. Wouah! Oh, mais je veux ça, moi! Il va falloir qu'on passe une commande, je crois, nous. Bah, ça? Ça, c'est. Les médicaux? Ouais! Avec des vieux moniteurs comme ça, etc. Ouais. Il faut minimum 3 personnes qui restent ici pour monter la garde. Je m'en occupe. Je sais pas si vous êtes déjà passé là-dedans. Ça fait bizarre la première fois. Dame, pardon, excusez-moi, excusez-vous. Ah, oh, c'est trop bien. Vas-y, c'est normal, je passe mon premier. Attrapez le chien. Ouais, je passe devant vous. Ouais. Hey. Oh, on passe par l'échelle, il est plus simple. Si tu veux, je passe devant. Je trouve que ça mène la section de recherche ensemble. 3. Hmm, je pense que c'est un téléporteur qui est. Eh ben non, ben. Je sais pas. On va voir. Normalement, c'est le Timan. Ça va être une session de recherche. Eh, t'as pas fait quand on a pas de. Je vais m'énerver! Et merci pour le follow, Yoko. Bienvenue à toi. Ah, ça me rappelle des souvenirs, t'as les téléporteurs. Pensez à bien ouvrir la bouche, sinon vous allez avoir mal aux oreilles. Comme dans les tunnels, ah ouais, c'est ça. Ah oui, oui.
C'est pour la pression, la pression. C'est ça, ouais. Eh, tu te rappelles, Sam, quand on a pris le téléporteur avec Azog? Ouais, je m'en rappelle, ouais. Ah, enfin, dis, attends, on se fait la queue, moi. Et t'as Manu, en fait, ils le savent ou... Je sais pas, on suit. On va peut-être pas refermer derrière. Ah. Ah bah... Trop tard. Oui, bah, c'est trop tard. Combien on est? Attends, je vais te dire ça. Tu dis c'est dans le sens fort, mais... Il y a plus d'une trentaine de joueurs, en moyenne. Ah, je suis mal à qui est papier, alors document par ici. Ouais. Ah bah non, je te laisse leur faire le speech dès qu'ils arrivent. Que si jamais ils se servent dans les affaires, on les met à genoux et à l'intérieur du bunker même, et on leur coupe la tête. Ah, okay. Ah ça c'est merde. Ça. Ah. Oula. Alors, sans vouloir vous offenser, à une époque vous coupiez des mains, on peut vivre, mais sans la tête, je crois que c'est un peu mort, quoi. Mmh. Oui, bah, okay, j'aime bien qu'on soit. Ah, c'est le but? Ah, ok, d'accord. Eh ben, avec grand plaisir, Yoko. Tu vois, là, le staff est incroyable. Bah, tu vois, tout le monde est là. Ah, ce genre d'événement. Ouais, il n'y avait plus personne derrière moi. Tu vas kiffer, je pense. Hein. Le dernier à avoir... Le serveur est dur. La survie est dure sur le serveur. Il est pas souillé, celui-là. Mais tu trouveras des gens pour t'aiguiller et t'aider, tu vois. C'est pas faux. Donc pour répéter ce qui a été dit juste avant, actuellement nous faisons une petite balade dans le bunker de Chillman. Ah, l'homme avec la bande de métal. Ouais, voilà. Nous allons vous demander une seule chose pour éviter tout risque, c'est de rien voler à l'intérieur. Bien sûr, vérifiez bien tout ce qui est papier ou autre, et toute personne qui sera surprise en train de voler sera découpée. Cordialement. Exécuté. PNC au pas de verrouillage des airbags. Y'a rien de rentré, ça sert à rien de rentrer. Un stock de munitions, les chevaliers. J'ai testé de sortir, mais ça marche pas. Allez-y. Un peu trop de lumière là. C'est très exigu ici, j'aime bien. C'est un peu austère. C'est un peu étroit même. Ça me rappelle mon ex. Qui c'est qui a dit? Bon, on empêche les gars de Samuel et les gars de SMT. Je vous l'avais dit, non? T'as ouais. Dit quoi? Que j'étais un beau gosse? T'as dit quoi? Ah non, quel autre truc, ok. Non, c'est pas ça qu'on a dit, bah non, mais tu t'es trompé. Bah ici. Ah! C'est vrai. C'est joli, hein. C'est combien le loyer? Ah, c'est cool. C'est comment qu'on s'est tenu? Tu m'étonnes qu'il était tranquille. Ça, c'est un labyrinthe ici, c'est n'importe quoi. Bon, on cherchait bien, hein, tout ce qui est de sciences médicales et autres. Alors allez dans les petits trucs, ils ont trouvé. Je voulais faire moi, mais pas trop mes doigts là-dedans. Ouais, tu vas te faire. Après, on m'a accusé de vol encore, hein, c'est bon. Putain, c'est gros ce bordel. Et d'ailleurs, Marie, elle est pas là? Elle est où, Marie? C'est long, ça. Pardon, pas pris. Ah, oh, mais poussez-vous! Y'a rien là-dedans. Comment je vous pousse là? Ouais, ouais. Oh, comment je vous pousse? Y'a rien là-dedans. Y'a une petite pochette NBC là qui est fort intéressante, je trouve ça fortement bien. Ouais, enfin, ouais. Y'a rien bien là-dedans. Oh, pardon, il y en a qui regardait, excusez-moi. Bon, en vrai, y'a rien à regarder. Des notes là? Non, pas de notes. Non, y'a rien. Mais regardez. Oh! Bon, en fin de compte, je pense qu'on ne trouvera rien juste à l'attente d'être au fin fond, quoi. J'adore être au fin fond. Ah, mais des papiers vierges. Moi aussi. Les vierges, oh, les tenues de la section de recherche. Bah non, je serais pas là. On fait rien, on sait pas, on était pas là le vendredi, hein. Ça se trouve, comme sorti par le Elle s'appelle Marie? Peut-être. Marie, prince de Dieu. Ah oui, du monde parle. Ouais, il y a des trucs médicaux là-dedans. Produits médicaux sont encore. Ça va. Oh, bah on va devoir exécuter Starot. On a dit on touche à rien, Starot. Faut le découper. C'est pas bien, Starot. Tu veux de la. Allez, t'es lancé là. On est content, non?
Ah. Moi je trouve qu'il joue vachement bien quand même. Vas-y, il danse, regarde là. T'as joué que ça, il sa mère. Voilà, c'est fini. Ah, moi je trouvais ça plutôt intéressant quand même. Une minute que je connais pas. Sam ? Oui ? C'est celui qui voit toi, pas y a un mec malade. Un peu de documents là ou un truc comme ça ? Ah bah. Non, y'a rien. Là, oui. Les piqûres, un simple bord suffit. Regardez, y'a les casques. C'est toi qui te sens. Je vomis, Sam. Deux fois ? Ok. Tu vomis ? Oui. Oh, tu veux pas du jus de pomme ? Y'a plein de vitamines dedans. Regarde-moi dans les yeux là. Regarde-moi dans les yeux quand je fais ça là. Pardon. Le souci quand je te parle. Tu le fumes, t'as dit ? C'est moi. Mais ? Ah, bois du jus de pomme, ça va te faire du bien. Trompé. Bon, on avance. Est-ce que quelqu'un aurait un POX ? Ah, bah, avec kleptomane, toi aussi, les mains. Viens. Je suis un putain de drogué, j'en ai moi. POX, POX. Comment qu'il l'a ? Mais regarde, c'est lui qui l'a. Il y a un médecin chez vous là. Ouais. Sam. Ouais, y'a Sam. Tiens, j'ai trouvé tout ça comme médicament. Bah, ouais, avec toi. Un POX. Y'a un entrée de POX dans cette boîte. Et tiens, y'en a une deuxième. Eh ben, impeccable. Dis-le, t'as volé, mais c'est pas quelqu'un. Qui a besoin de POX. C'est Rob qui l'a récupéré. Oui. Oh, ouais, ah, ça va. Je suis un ninja. Eh, d'ailleurs, j'ai pas un truc pour réparer les chaussures, elles sont pas ouf. Oui, c'est ça ce que j'allais te dire. T'as pas un truc pour réparer les chaussures ? Merde. Si. J'ai pas pris avec moi pour réparer. Mais attends, viens voir. Juste Rob, il est où ? Ok, il est là. Attends, parce que je joue dans la règle, tout le monde qui parle. Oui, il a déjà eu du POX, hein. C'est bon. Ah bon, ouais, c'est bon. Ah, tu choisis ton docteur. Okay. Ah pardon, je l'ai volé moi. Non, c'est non, lui, non moi. Mais je respecte, tu as aucun souci. Il m'a injecté. Mais non, comment il t'a non, injecté en fait. C'est moi qui vous injecte. Ouais, bah il a été plus rapide que toi en tout cas. Il est précoce, ça on le sait. Et du coup ça, il n'y a pas de mal. Ignace qui habitait ici c'est ou. Moi ici. Quoi. Y'a rien du tout. Putain, mais c'est grand dans ce bordel! Oh, hey, là-bas y'a un truc dans le coin. C'est quoi? C'est qui a dit ça? Je sais pas. Quoi? 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 Ouais, mais y'a un canard! Y'a un canard dans le coin! Quoi? Y'a des canards, ça c'est sûr, mais des canards, je sais pas. Putain, on m'a fermé la porte au nez! Hey, on est tous putain, ensemble dans cette Diamond. Pièce, venez là! J'ai la vitelle. Pardon, désolé. Oulala! Bon, un peu de sérieux, messieurs là! C'est ah, pas oui. Une ceinture, c'est sa bite. Pardon. Elle est toute plate, elle serre très fort. Oula. Mais qui s'attache dans des coins là, c'est vraiment bizarre, il y a du BDSM là-bas, ouais. Ah ouais ? Parce que c'est... Non, on va pas faire un placard. Ils sont repartis là ? On ressort, c'est ça ? Ah non, c'est juste une tasse. C'est pas le bordel de temps. Comment ils ont fait pour mettre oh, bonjour, plan, en chantier. On a le droit de... On a le droit de faire de la chance. Ah, on va se mettre des petits doigts partout là. Oh la vache. Oh le bordel là-dedans. Ah super. Oh il y a une boîte de pansement. En chantier du pansement avec des crocodiles dessus. Un tonneau, je vais pouvoir le prendre. Ouais, on peut la prendre la combinaison, elle est jolie. Non, tu la prends pas. Oh putain. Pose ce tonneau tout de suite. Non, par contre, le médecin, s'il veut prendre des médicaments ici, il peut. Oui, par contre, les médicaments. Ah, pourquoi lui la droite de pas moi. Parce que lui, tiens, il prend. Attends, mais prends un sac, le médecin. Oh. Docteur, t'es où, docteur? Oh, y'a pas quelqu'un d'autre. Je suis plus là. Oh, bah y'a des. Oula, oui, ouais. Prends là, tout oui, ce oui. Que tu peux, docteur. C'est okay. Pour toi. C'est offert par la maison. Alors, attention, ouais, aspirateur je activé. J'aimerais bien voler un peu là. Je pense que je peux fermer les yeux ici non, ou non. Pas. Ah, attends, il a dit aspirateur activé. Attends. Non. Vas-y. Ah, non. Ah merde. Oh, j'ai cru. Comment ils se retrouvaient là-dedans? C'est bien bizarre, là, je suis claustrophobe, moi. Ils ont un peu le syndrome de Dieudenne, non? Ils ont l'impression qu'ils stockent un peu tout, hein, quand ça, même. Ça peut servir aussi. Oh là là. Ah, mais il y a encore des trous par là. Ouais, ils étaient un peu malades, hein, comment ces mecs, hein, de stocker autant de trucs, là. Bordel, ici. Il y en a partout, nous. En vrai, si on trouve du POX, ce serait pas mal, hein. C'est le masque qu'ils ont. Bandage israélien. On est vraiment là. C'est quoi un bandage israélien? Vous avez besoin d'aide pour embarquer du matos ou quoi les gars? Ça va. Ouais, c'est évident. Bien.
D'accord. Ah ok, d'accord. C'est un bordage compressif, quoi. À tomber. Alors ça, par contre, pour les blessés par balle, au moins c'est RP, quoi. Pas mal, ce petit frigo. Ah. Y a pas une note, mais... Eh, par contre, on a toujours pas trouvé un truc sur ces recherches, si. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Plus de rester à un endroit qu'on n'a pas trouvé. Pareil. Là, on est bah j'ai plus de place. Non, là, on a fait, là. Fuit, là. Je pense qu'on est dans les pièces de vie seulement. Ouais, c'est tout. Là, on a fait... Tiens, si tu peux prendre des bandages analgésiques, c'est là-dedans. Ouais. Celle-là, en vrai, ça, ce genre de truc, on en a pas et... C'est ce que j'ai regardé, Dr. Mike. J'ai pris une quantité de trucs assez importants, je le mettrai dans le dispensaire. Par ici. C'est par ici le suite. Revenez, c'est par ici. S'il vous plaît. On est comme... Par là, par là. Non, par là. On peut pas défendre, on est collé à l'aisselle. Ah si, non. Putain, quelle idée de merde, pourquoi tu montais à l'aisselle, bordel? Et pourquoi tu m'as suivi aussi, putain? Bah, je sais pas. Mais comme des connards. Attends, ça. Putain, mais oui. C'est pas quelqu'un de la légende? Non. Ah, il faut qu'il tombe dans les pommes. Ouais, voilà, parfait. Attends, non. Wow. Ils sont où? Oh, mais waouh! Bah, je les ai appelés, mais. Attends, j'ai un mégaphone. Ils arrivent, il y en a juste deux qui sont restés. C'est par ici, mais il faut aller chercher les autres là-bas. Ils arrivent, il y en avait juste deux qui sont restés collés à une. Ils arrivent. Ils sont restés collés à une échelle. Ah, d'accord. Merci de donner la porte jaune, s'il vous plaît. On va laisser passer Martin devant. Il y a de la profondeur, hein, quand même. Vous avez parlé? Ouais, c'est ici les suites, Martin, je pense. Donc, voilà. Est-ce qu'on avance? On peut descendre de cette échelle de merde. Bizarre. Ah, si! C'est très précis, quoi. Peut-être pas ça, alors. Moi, je crois qu'on peut pas... C'est poussé à ce point-là? On a grippé au barreau, mais je sais pas pourquoi je sens que ça va mal se finir, cette histoire. Ah, j'ai l'impression, ouais. Bon, je tente. Je crois, hein. Okay. Je crois que ça, oui. Voilà, monsieur. Super, allez, on va changer d'endroit. Un baume aromatique. Ah! Ah! Ça va bien. Ah, ça fait mal, mais ça descend. Aïe. Ouais, mais attendez, vous pouvez remonter au moins? Oui, on peut remonter. On peut remonter, ouais. Ouais, mais faites attention à des stops, ça fait mal. Wouah! Ah. Ouais. Ça. Ah ouais. Au pire, retenez-nous, non? Ça casse les jambes. Vas-y, ouais. Attends, ils sont tous. Non, bah non, pas sur moi en fait, j'ai encore un trou de balle. Mais j'ai l'impression que c'est comme ça avec toutes les. On peut monter, mais on peut pas descendre. Tout, hein. C'est intéressant ça, dis donc, c'était une affaire. En fait, c'est des échelles. Tout direct, je pense qu'il a fait un truc au barreau. Appuyez sur le bouton rouge pour utiliser l'ascenseur. Non, je déconne. Hein? Non, mais attendez, en dessous. Si ça avait marché, sans déconner, j'ai... Allez hop, moi j'ai réussi, salut les nazes. Ils sont foutus. Vous voulez vraiment tous descendre, là, si... Moi je descends plus les DPL, moi, c'est fini, hein. Ah, bah il s'est pété la jambe. J'ai entendu un os en bas. Sans vous offenser, ouais, j'ai encore... Comment t'as fait? Mais ne poussez pas, de terroriste que vous êtes. C'est monsieur Martin. Un par un. Martin s'est cassé la jambe. Oh.
Moi j'en ai marre d'être handicapé, moi. Bah alors, on est tous cassés les jambes, les gars. Avance, s'il te plaît. Oui, non, c'est j'étais grave dur sur le rebord. Ah, je l'avais, attends. Donc on s'est un peu serré. Moi j'aime bien quand on est serré comme ça. Bien quand tu me donnes chaud, toi. Mais... ah, je l'ai. En fait, faut viser l'angle. Martin, l'angle à gauche, la hanse, pas les barreaux. Ah, attends, bouge pas. T'arrives pas, toi? Attention en dessous là, le chien. Ah ouais, okay, attention, oui. Quelqu'un défend. Ah, bah, attendez, non, 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 y'a plus de place en bas là. Je dis ça, mais. Va se pousser. C'est que j'ai rien pour préparer ta chambre. Ah. Y'en a qui arrivent à descendre avant. Regardez bien le mur. Attends, descends pas, descends pas. Hop. Ouais, bah les échelles de merde. Ah là, putain, ils ont mis un ascenseur au moins. S'il vous plaît, c'est grave, est-ce ça. Que quelqu'un. Ça s'en serait pas. Attends, le médecin, il arrive. Non, mais j'ai trouvé une attelle. Je crois que c'est une attelle. Elle est orange. Ouais, c'est. Je c'est... sais pas mettre ça, moi. Faut. Ok, bah, faudrait qu'un des médecins descende là. On saute là? Ah non, il y a une échelle là. Ah, mais on peut pas là. Oh, franchement, je crois que je vais vous laisser continuer. Moi, je sais pas trop prendre les échelles. Je sais pas si tu as accès. Hein. J'ai l'impression qu'elle est bloquée. Donc, c'est me dire qu'elle est descendue pour rien. Ah, comment? Pourquoi il y en a qui arrive à descendre? J'y ai pas et j'y suis dedans. Le problème, c'est. Ouais. Tu saurais me mettre ça? Sur toi, j'y suis dedans. Ouais! Faut non, attends, mais quelqu'un peut me mettre la tête? Ah, en forêt, c'est pareil. Hein. Bah alors, c'est quand que vous descendez? Prenez l'ascenseur, les gars, soyez pas cons. Ah, mais c'est. Attends, c'est écrit dessus, c'est comme ça qu'on met la tête. Ah, ça fait vachement. Ah bah de là, tu les vois, regarde, ils sont en bas, ils sont tous esquissés là, regarde. Ah bah, nous, on est bloqué, on peut pas remonter. Bah, qui tente à rien là, on passe ça, ça peut être nous. Bah, les sortes, c'est bon. Non, attends. Non, mais. ils peuvent pas remonter tout en bas, je crois. Ah ouais, nous, on est ça va ouais. C'est inutile de. Bah, inutile de descendre, remonter. Bonsoir. Mais je crois que même nous, voilà. On est bloqués. Ouais, remontez tous, les gars. Remonter, ah, mais je crois que même au-dessus de vous, on peut pas remonter. Ah. C'est littéralement une prison, alors, ce truc-là. Ah, elle est coupée. Là. Ouah. Mes yeux. Merci. Y'a rien d'autre, là. Je... ça y est. Bon, écoute, en attendant, on va faire un pierre feuille de ciseaux. Hein. Vas-y. Vous êtes bête? C'est par là, non? Non, 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 c'est pas par là. Et qui c'est? Si, il y a une bête en bas. 3, 2, 1. Moi, je suis vieux, j'ai les os fragiles. Oh, bien wesh. Allez, je saute en bas. Non, 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 faut pas y aller, faut pas y aller. Faut pas y aller. Mais je suis pas si j'ai compris, mais. Exact, ça. Faut essayer. Ah, y'a un trou là. Ah, super. Ça me rappelle maman. Hein? Quoi? Pardon? Je vais aller par là, moi. Et à droite, c'est une infirmerie, y'a rien. Et à gauche, y'a rien. Lève-toi, tu pues! J'ai trouvé aucun document là, c'est. Triste. Il est comme hier. Je vais t'enculer, Samuel. Parce que c'est ici qu'on doit aller. Hein. Ah, on n'est pas rentré ici. Hein. Oula, c'est quoi ça? Pas bien, pas bien. Bon, je sais qu'il me tape, je vais rafaler les gens. Réserve de munitions si t'as peur. Hein. Ah ouais? What? Ouais. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah oui, d'accord, mais ils comptaient faire la guerre contre quoi? C'était le cul, ça. Non, non, tu peux être. Tu m'étonnes qu'on en trouve plus après. Attends, t'as vu tout ce qu'ils ont? C'est dingue! Et la black market à côté, c'est des PD, hein!
Oh, ils sont. Peu de l'or, tu vois. Y a pas une seule note. Mais là, venez voir, y'a un porte. Fin vers la lumière, ça. Je pense pas, hein. Je pense qu'on doit aller là, hein. Je sais pas où sont passés les autres, en fait. Bah, je sais pas où. Ils sont partis à gauche, là, viens voir. Venez. Venez, on arrête de se séparer, là, tout ça. Bah, ouais, ce serait pas mal. Parti là. En tout cas, ils étaient là. C'est pas là. Ils étaient partis tout droit. Il y a encore des shelters ici. Ah non. Oh, attends, ils sont en train de parler. Entrez pas, ils sont en train de parler, là. Ah, d'accord. Ils parlent avec qui? Ils se parlent entre eux. Oh. Quoi? Quoi? Tu danses? Bon, je danse, c'est l'ami. Oh! Y'a quelqu'un qui a pris le portail là. Je pense que c'est ça. Oui, bonsoir. Eh, y'a le guide, il vient de se barrer là. Hein? Quel guide? Et y'a Martin, il vient de se barrer. Avec où? Par où? Bah, un télé, viens, venez. Par une anomalie. Allez, go se taper. Tiens. Y'a des trucs intéressants ici? Oh là, il y a un peu de matos pour réparer des armes, des trucs comme ça. Mais il y a pas de papier ou... Ouais, c'est tout. Bah... En train de regarder, mais... On n'est pas l'impression. Ok. Que tout le monde revienne à l'échelle, s'il vous plaît, tout le monde. Eh ben, incroyable. On a vraiment trouvé aucun document, rien. Rien. Non, il y avait rien du tout. Pas un témoignage de Timon, rien. Oh putain, quel voyage. Ah, je me suis cru, comment il t'appelait le mec? On a trouvé les notes là. Ah. Le projet Athéna. Les notes sont dans l'autre labo. Oh putain, on est allé dans l'autre labo pour rien alors. Non. Les notes. Je comprends rien à l'anglais, moi. Ouais, quoi? Tu peux le lire? Bah, on prends, tu lis? Des batteries. Mais moi, je comprends rien. Qui est écrit en anglais? Son brassard, c'est. Laisser les notes au médecin ou à la légion? Ouais, bah, je comprends rien. Bah, je le lis et je le remets. Ouais, ok, il y a une liste de trucs à récupérer. Alors, attendez. Encore là-dedans?
Je sais pas, je pense. Faudra la remettre dans le papier bleu là. Astoroth, il est pas revenu. Ah bah attendez, c'est un générateur ça. C'est pour ça qu'ils ont courant ici. Voilà, on a trouvé la solution. On y rentre dans cette salle là, à gauche. Et vous avez vu ce qu'il y a dans ce truc là? Une autre là-bas là. Il y a des seringues bizarres là-dedans. Hein. Ouais, c'est... je vois pas ce que c'est. C'est bizarre hein, ouais. Ce qu'il y a là-dedans. Le tour. Il y a une honte accrochée, mais... Ah Marie, t'es pas venu dans le téléporteur? De l'autre côté, mais... Putain, il nous faut cette note. Qu'est-ce qu'une note? Que la courte. Il y a vraiment... Passe la courte. Non. Par ici, là c'est pas ça. Je sais pas où sont les autres. Il doit bien avoir un accès pour arriver à la dernière porte quand même, non? Alors, ça fait une chambre. Comment vous êtes monté? Par l'arrière du bâtiment. L'arrière. Pas une... Il n'y a pas d'entrée là? Que pour moi le truc le plus intéressant ça doit être là-dedans. Là-bas il y avait des sortes de cartouches, faut pas les mettre quelque part. Là là. Et les chaînes de quoi? Et où ça? Dans le je suis là, box, là y à l'intérieur. Trucs, là, regarde, j'ai trouvé, regarde, j'ai trouvé ça. Je sais pas. Faut pas en prendre une et en caler une quelque part. Les trucs dedans. Oula, oula, touche pas à ça. Ouais. Ah, je touche pas, mais je sais pas, c'est peut-être intéressé quelqu'un, non? Parce qu'elle sert à quelque chose, non, faut ces trucs bleus là. Je comprends pas comment on peut y rentrer. Putain, et on sait pas où il est, Astaroth. Allez hop. On a trouvé les notes dans le labo là. Oui, mais il y a une porte qu'on peut pas ouvrir, viens voir. Pas Astaroth. Il là, gauche, puis il y a une boîte jaune là-bas sur et la porte à gauche, on ne peut pas l'ouvrir. Ouais, c'est quand tu vas sur l'antien. Là, voilà, à gauche, ils ont des notes là. Ah non, attends. Ah et... Oh. Ah, il a tenté d'ouvrir la porte, non? J'ai pissé un coup, j'arrive. C'est efficace au moins, s'il arrive. Bon, c'est là. Elle est où la caisse de protection qu'il y avait là-bas, là, avec les notes dedans? Je les ai sur moi. Il y avait deux cartouches. Au chef. Il y avait deux cartouches dedans. Oui. Sors-la vite fait. Elle doit servir à quelque chose, ces trucs-là. Oh, c'est la combinaison à ce matin. La batterie, là. Ah ouais, bah... C'est la batterie de la combinaison, ouais. C'est... Ok. C'est marqué sur la note. Y'en a pas un de vous qui s'y connaît dans les artefacts? Parce que là, le truc que j'ai trouvé, là, y'en a dedans, hein, mais je sais pas trop ce que c'est, moi. Ces trucs-là.
Mais c'est qu'il y en a dedans. Je sais pas si c'est si ça a tiré à quelqu'un, hein, mais... Ouais, mais on peut pas l'ouvrir. Non, sur lui, ils sont pas. Ça va rien, ceux-là ? Non. Bref, tu les remets dans l'armoire. Ok. Tu prends une pastille pour ta voix. D'accord. Pas une porte cassée là un peu, genre tu soulèves la cuvette et il y a une porte qui s'ouvre, un truc comme ça. Désolé. Bon. Qu'est-ce qui se passe du coup? Vous avez réussi à atteindre le dernier, la dernière pièce ici? Non. Il devait y avoir un moyen pour y rentrer quand même. Ah. Bon allez, comment tu tri. Allez, bah vas-y là. 50 francs, c'est l'endroit, allez. Comment il a fait? Il est contorsionniste. Il y a une note sur le mur. Il y a une note contre le mur. Ouais, à droite. Ah. Il est contorsionniste. Tout ça pour ça? Oh putain, j'avais pété un câble, tout ça pour ça là. Non mais la note à mon avis, elle a peut-être quelque chose. Voilà la note très intéressante, attention. Je sens la connerie. C'est parti. Merde. La liste de courses du dimanche. Ça c'est la recette du ragoût ça. Ok, oh, super. Merci. Alors, c'était intéressant? Non. Non, non. Bah, j'en doute bien. Ah, on l'a rencontré tout à l'heure ce mec là. On l'a rencontré avec Stat. Et effectivement, Stillman a bel et bien fait quelque chose pour l'aider à corriger ses problèmes d'enjolure. Putain! Ah, des gants exosquelettes à peu près comme. Ah ouais? Bah, c'est ça qu'il me fallait. Embarquer. Eh, j'ai plugué ta place, le marchand. Je la prends. Bah, monsieur le marchand, on peut avoir des trucs s'il vous plaît? Tu veux quoi? C'est insane. Je sais pas, vous avez quoi à vendre? Non, non. Oh, c'est intéressant, ça, je te mets dans les mains. Tu n'as quelque chose à Starrock là? Ah non, à Starrock, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, ouais. Ouais, vu Ghost. Y'a les gars en vert, ils sont plus là non plus. Bizarre. Il y avait quelque chose sur le papier du coup. En tout cas, le professeur Tillman, il avait un sacré labo lui. Il y a quelque chose d'ouvert là. Ouais. Non, dans la tour. Vachement vide. Bah. Merde. Pas monté. Vide. Toi aussi. Fermé. Ah, pas tué. Parce que non. Ah bon. Sympa et tout. J'ai des notes. Pas des notes. Pas. J'ai des cahiers là. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de trucs. Embarque ça. Vas-y. Vous avez trouvé des trucs? Non, non, rien. Pas de notes? Ouais. Pas du tout, même pas des trous de Timon, ouais.
Oh hop, les chargeurs de merde là qui me gênaient là, j'ai pris sur l'autre. Putain. Tu les as posés les notes? Non, j'ai les notes. Tu les as? Ok, ok. Ouais, on les ramène. Ouais, j'en ai trouvé là. Enfin, j'ai trouvé 3 livres remplis de notes. Pas de bouffe là? Comme ça, on fait pas la cuisine pendant 2 semaines? Il y a un bruit à l'étage. Étage? Non, j'ai rêvé peut-être, non? Je sais pas. Ça doit être ça, peut-être les lampes à UV. Regarde à droite, il y a le petit dôme là à gauche, il est bizarre. Oh. On dirait un petit camp d'entraînement, il y avait un petit parcours et tout. Après, moi je pense que. C'est peut-être le camp d'entraînement de la section scientifique. Oh merde. Il n'y a rien, tu peux redescendre. On descend du coup, allez hop. Non, je crois qu'on puisse pas ouvrir ici là. Derrière cette porte là en métal là, enfin en tôle, il va y avoir des choses. Peut-être. De toute façon, c'est juste des habitations. La porte au rez-de-chaussée là ? Ouais. On a des escaliers ? Ouais, on est monté en. Ça donne derrière. Il y a quoi là-haut ? On a juste trouvé 3 notes. Enfin. Il l'aurait pas renforcé en toile pour rien. Ouais, ça donne derrière. Et yo, Roro, ça va quoi? Le boire? Ce truc, là, on a. J'ai trouvé ça. Celui-là, celui-là, celui-là. Eh ben, je crois qu'on les a trouvés, hein. Si tu prends un papier, prends le livre dans la main, à la limite. Sur toi. Pour bien le remettre au bon endroit. Ok, ok. Mais attends, je vais venir sur moi. Ah. Je suis pas tombé sur le bon, je crois. Pour un porno? Là, ça parle de détruire l'endroit, du coup. Hein. Mais il l'abandonne, donc... Ouais. Oh là là, ça c'est du vieux passif ça. Ah moi c'est médical. Super. Bon bah... On va fouiller encore les derniers hangars. Ah oui, ouais. On parle de certains trucs là. Je suis tombé sur le livre de la Gestapo. De vous a envie de. Mais non! Il y a toutes les maladies là-dedans. Ah, c'est. Pour les maladies là-dedans? Ouais, ouais. Et comment les contrer et tout le bordel? Vas-y. Il a Aaron, du coup, ou à Sam. S'il parle du fait que le gouverneur est un salaud. Quand même cocasse de trouver ça au cercle. Oh, aussi. C'est gentil, merci. Rapace. Oh putain, c'est ouvert. Mmh. Ok, ouvert. Oublie pas de reprendre le carnet Sam. Ouais, ouais. Chose. La main de Esma. Chose à faire, buter la milice, manger tous les humains du cercle.
Edgar de Montirail, égal Samy, il y a des bruits de mastication étranges. Il suivait Z. Chef. Avant-hier, il toque à sa porte. Lever les voiles pour certains qui veulent rentrer. Par contre, comment il s'appelle le collègue qui était avec moi? Pas Sacha, évidemment, mais l'autre. Ok, d'accord. Il y a des notes, sont... Moi j'aime bien avoir des armes de toutes les sortes. Bon bah... De, parti. De folie toi aussi. Non, tu non, non, tu veux pas voir ma base, hein, tu verras, y'a rien. Bah, pareil dans la mienne, y'a rien. Tu passes le black, tiens, tu passes le rouge. Ah ouais, mais tiens celui-là. Le blanc du coup c'est que des notes médicales. Ok. Oh là, les formes d'équipe. Quoi ça? Ouais, il y a des gens qui. Ah bah, du coup, qui a refermé là. Ah, la tuile. Il y a des trucs qui sont assez anciens, je pense. Les autres. Astaroth, on sait qu'il était, on le sait qu'il était dans une autre communauté avant. Intéressant, ouais. Tiens, je te pose le rouge. Quelques trucs là-dedans. Ça, apparemment, il a dit à la Légion que c'était juste une note médicale. Ouais, grippe, infection. Ah, pardon, je croyais que tu le posais pour moi. Bon, je sais pas, il a dit qu'en gros il y avait des maladies répertoriées, comment les soigner. Là, vous avez les notes médicales. Ouais. Laissez-moi lire tout cela. Non, je veux lire. Intéressant de fou, hein. Je vais prendre tout ça. Ouais, ça c'est les trucs qu'on sait, on va dire. Ok, intéressant. Ouais, moi ça va tranquille, Roro. Merci. Ouais, bon, ça c'est normal. Ouais, j'ai l'impression. Et du coup la partie là-bas. Ok. Pas de notes, pas de documents, rien. Et là-dedans. Bon bah. Ouais. Ça fait du doc.
Et tout mais monde... non, ils peuvent passer. Non, tout le monde non, s'est non, barré, non, on dirait, non. Ah merde, mais non, ils peuvent pas. Rip. J'ai l'impression que tout le monde s'est barré là, non. Il y a une partie, mais il y a une partie qui sont déjà partis. Ok. De 3 quoi. Ouais, Starot. Ah bah. Comme on dit, dans certains pays, chais. Ah, y'a pas moyen de récupérer ça pour la maison. Intéressant hein, quand même. Il y a plein de choses. Ah ouais. Ouais. On attend parce qu'il y a quelqu'un qui est malade et. Qui c'est qui est malade? Je sais pas, la dame qui est arrivée il y a pas longtemps là, il y a 2 jours. Peut-être ouais. Trouvé. Mais bon, il faut qu'Henri il démonte le stockage de bois. C'est important pour la survie de. Ah, j'ai un petit bouquin là. C'est les notes médicales celui-là ou c'est un... Ouais, j'ai les notes médicales, ouais. Vas-y, fais péter. Ah, les grosses notes médicales là. Ah, ouais, d'accord. Fais voir. Non. C'était celui de Sacha. Il y en a quelques-unes à l'intérieur, quoi. Il avait son petit catalogue. Ouais, je vois récupérer celle que j'avais changée. Attends, c'était laquelle la tienne? C'était celle-là. Tu veux en vous ça? Non, non. De toute façon, allez, il y en avait 3 dedans. Pépite. Ah bon, il y en avait 3 dedans, oui. Oh, je pensais qu'il était. À la 4ème. J'ai trouvé dans le labo Tillman la 4ème. Il devait s'embêter le week-end, il se tirait. Il est malade. Ticket, je pense. Oui, j'ai vu le médecin. Il doit tenir des médicaments. Je crois que j'ai mangé trop vite. C'est pas si bonne ces spaghettis. On était parti. Et non quoi. On dit aller. Voilà quoi. Bon bah du coup il reste que ça. Bah il en manque 2 en fait. On était 11. On est 20 francs, on est beaucoup moins que 11 là quand même. Et 9. Ok. Ah il manque Astaroth. Ouais, ça fait un moment qu'on l'a pas vu Astaroth hein. Là-bas. Et derrière la porte qui est fermée. Ah merde. D'accord. C'était un peu compliqué, oui. Il faudrait faire faire une fille, on se le 4. Ouais. On revient en voiture, on leur ouvre la porte. Zog, il avait le matos et je pense qu'il doit être avec Astaroth, donc ça marche, je pense. D'accord, non. Sinon, on les attend, hein. Peut-être qu'ils peuvent trouver une solution. Ils vont arriver, je pense. Qui c'est qui braille là? Moi, c'est encore. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est encore malade. Je pense que ces spaghettis étaient pas frais là. Ah, attends, vous avez déjà ce qu'il faut, c'est très bien. Bouge pas. Non, t'inquiète, je suis en train de faire. Sinon, si tu veux, on peut mettre fin à tout ça, hein, tu sais. Ouais, avec 100 couteaux, non, c'est... je trouve ça classique. Avec ça, c'est mieux. Ah, ouais. C'est ça le mot. Non. Il va te pas le rimper Wix aussi. Quoi? Ouais. Dame. Il y a du monde qui arrive là-bas. Les 2 boîtes oranges que je t'ai données. Ouais, il y en a un dedans. Ah, ouais. Oh. Ah, c'est un Star Wars, je crois. Ouais, ils sont ça. Parce qu'il faut. Il faut leur répondre, attendez. Mais après, c'est sur Coltar.
Hein? Et après, charcoal table. Il y a de la salmonelle aussi. Un coup, donc okay. Ok, c'est bon, on sait que c'est vous, ça va. Ah. Ah, y'a qui voulait voir Astaroth juste comme ça? Je sais pas, je crois la moitié du monde. Ils sont partis où les véhicules? Alors là. Ils sont barrés, ils sont rentrés. Ah, il y a des infectés devant. Ah, c'est les miens, les tuez pas. Ah, d'accord, c'est Poule. Il y en a un qui rentre. Et le dernier, la cible mobile. Oui, combien on gagne? Dans le genou. Elle est tout dans le genou. 4 ou 5 qui arrivent à droite. Bah rip le cercle hein. Ça va? De quoi? On sait toujours pas ce que c'est ces trucs là. Ouais, je sais pas ce que c'est ce truc. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi ces trucs là de merde là? C'est quoi? C'est des caca géants? C'est quoi? Je sais pas. Ça y était pas ça avant? Ouais, c'était pas là ça avant. Et Sam, y avait pas la maison du taxi ici? Avant, ouais. Elle est passée où? Bah là. Elle a filé en planche de bois, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Complètement détruite. C'est n'importe quoi. Et regarde ce que j'ai trouvé pour les SLM. Ouais. T'as vu? Je voudrais le mettre sur le toit. Et même il y avait un abribus ici aussi, putain. Bah tout a été soufflé je pense. Et c'est quoi ces gros trucs là, ces gros caca là? Je sais pas du tout. C'est moss. Ah ouais. Ah, ça brûle. Oh bordel, c'est quoi tout ça là? Des planches. Non. Tout vous faites? Eh ben. Il me montre des trucs. Et tout fait pas. Oh putain, j'avais jamais vu le verre. Ah si, j'ai déjà vu. Regarde, je vais te montrer les miens. Et moi aussi, je peux vous montrer les miennes hein, si vous voulez. Hein. Vous allez voir, j'en ai deux, elles sont bien grosses.
Ah ouais, la noire, elle est exceptionnelle, il me semble, je crois. Je me souviens. Wombo combo. Faut la reprendre, ça, non? Faut pas aller sur le bord de la route, quand même. C'est quoi, ça? Vous êtes des chiens. Ça, j'ai vu à la fin, en fait, c'est ce qui va tous nous sauver. J'ai la ref. Ouais, il est mort du coup maintenant, mais j'ai la ref. En fait, non, Vlad, en fait, il est pas mort. Parce qu'en fait, à la fin, c'était, on va apprendre que c'était lui, Tillman. Et qu'il s'était réincarné en Sacha. Et qu'en fait, il a une pierre d'immortalité, voilà. Et puis en fait que ben Zakharov c'est sa sœur. Putain, oh, c'est fou. Hein. On n'aurait pas pu s'en douter. Par hasard. Bon, on est moins qu'au départ, non? On est 11. Bah non, on est plus que 10, il y en a un au moins. 10, 11. Pardon. Ah non, on est 11, il était en voiture. D'ailleurs, Asteroids, comment on... Il y en a encore derrière. Ah oui, c'est vrai. Bah, il y en a deux derrière. Ah oui, c'est vrai. Mais non, monsieur, on est un moins, on en a laissé un là-bas. Ouais, on est 13, du coup, on est bon, ouais, c'est bon, tout le monde est là. Hein. Bon, on va dire, du coup, ceux qui sont venus en voiture, vous avez pas trop deck depuis avoir des véhicules là? Bah, il y en a eu, je m'en vais, c'était pas à moi, et l'autre aussi, donc ça m'arrange. Attendez, on s'est. On s'est fait vraiment choisir de hasard. Bah c'est pas grave, c'est les médias, je pense, on ira les voir. Je vais revenir vers non, mais gars, ah bah on sait où ils habitent, hein. Il y en a deux qui s'est fait embarquer par les gars de la gueule, non? Bah non, attends, il est pas là, l'autre... Oui, il y en a deux qui s'est embarqué par les gars de la gueule. Ah oui, il est là. Ouais, bah je pense, ouais, c'est ça. Et la noire, elle est où, du coup, la voiture noire? Elle est avec la voiture blanche? On a trouvé sur le de crime. Bon, après, c'est dommage, on aurait pu embarquer plus de lockers, mais bon. Après, ah, c'est une munition, je vais revenir. Je vais les 300 des bars. J'ai chié, quoi. N'empêche, personne s'est rendu compte, mais je me suis rempli les poches de munitions et d'armes là. Wouah, oh, je suis blindé là. Oh, ah, c'est ça l'objectif, ouais. En plus de la. L'objectif de la mission, c'était ça, hein. Bah oui, hein, c'était... À la base, on devait aller à... On devait aller à Extat, hein, à la base. Ouais, mais... Mais bon, j'ai laissé partir dans votre délire, je vais pas vous raconter quand même... La fin, mais... Bah, au début, on voulait vous laisser aller jusqu'à Extat. Et une fois que vous auriez là-bas, vous laissez un petit papier vous disant qu'en fait, il fallait venir au cercle. On est assez sympa, on vous a envoyé Théo. Il est super fort, Théo. Mais il n'y a pas eu que Théo, non, d'ailleurs. Il y a des sympas qui vous l'ont envoyé. Mais... Bon, ben, dites au revoir au cercle, hein, parce qu'il va au fond de l'eau. Ah merde! Ah bah non, c'est embêtant ça! Allez! Voilà. Putain, il a resté du matériel! Revoir, le cercle! C'est quoi, il se donne un défi les deux derrière? Hein, j'étais en train de... Il est gagné. J'étais en train de l'enfoncer dans la neige, bah c'est froid! C'est fou! Waouh! Ça va exploser! Ça va péter, oh! Ah, j'ai oublié 4 kits de couture à l'intérieur. Ah, bah attends, on y retourne. Non, mais c'est mort. C'est mort. Non, mais c'est mort. Nose. C'est bon. Bon, je sais pas ce que ça va tirer.
Avancez, avancez. Avancez au fur et à mesure que vous tirez, avancez. C'est bien animé en tout cas. Quoi? Bonsoir, bonsoir. Ah. Je vais poser tout le matos que j'ai sur moi là. Et. Ouais. On verra combien de personnes sont motivées encore à bouger ou pas. Si on est que deux ou trois, bah. On ira ronfler. Mais faut pas oublier les gars d'Eckstadt. Ouais. Ça va, là habitation avec Shane, ça se passe? Il est pas trop... Oui. Ouais, il est pas... Pas trop quoi? Enfin, je dis un peu... Un peu? Un peu... Il est pas quoi? Ouais. Ouais, ça changera jamais, ça, je te le dis. Ah ouais? Ouais. Moi j'ai un cancer de la gorge. Oh! Derrière, besoin d'un coup de main. Regardez derrière. Ah ah ah, c'est bon. C'est bon. Oui. Je le prends. Je pourrais le mettre dans mon locker. Et un de plus. J'en ai que 45 des comme ça donc. Ils sont rares. Mais c'est minimum 50. Bah pour deux voitures, oui. J'adore pratiquer le drift.
Ça, c'est ce que j'appelle de la précision, gamin. Bon, au moins, on ramène plein de matos médical. Ça, c'est cool. Comme ça, s'il y a une grosse expédition qui se monte, ou si on a genre une scène où il y a plein de blessés et tout... Il y a un feu de camp. C'est un feu de camp, un petit man. Faut le ramener. On est celui-là. Faut tout embarquer. Faut embarquer le feu de camp. Hein. C'est jamais, hein. Il est chaud. Tiens, récupère la fumée. Une bouteille, prends une bouteille, c'est mieux. Je la ramène à la base. Ah ouais, l'épinéphrine quoi. Ah ouais. Ouais, ça me fait zéro. Non mais... Quand même, ça fait chier parce que... Le kit de couture... Ah ouais. On aurait pu le ramener. Ça. T'as les 4 mecs habillés en vert, par contre, ils font un petit peu trop les cakes. Hein. J'avoue, je sais pas ce qui. C'est quoi leur. Leur lien dans tout ça, je t'avoue que je. Bah, leurs initiales BMD, c'est les initiales de leur prénom. Il y en a un, c'est Mike, parce que je l'ai entendu appeler son pote comme ça tout à l'heure. Ouais, bah attends, enfin, t'es pas équipé avec des tenues comme ça pour le plaisir. Si, si, j'étais joli. Ah! Ah bah oui. Écoute, j'ai ouvert un locker. Il y avait des vêtements dedans. Merci. Je pense qu'ils ont compris. Tu veux courir vite? Ouais, j'aime bien courir vite. T'as boy. Envole ton petit biche. T'as boy. Garde la stamina. Je vais remettre plein de matos. J'espère qu'il servira quand même le matos, tu vois. Qu'on n'ait pas ramené tout ça pour rien, quoi. Comment on aura cavalé, n'empêche ? Femme. Ouais. Regarde. Attends.
Oh, c'est quoi tes trucs là? T'attends! Oh, mais c'est quoi ton truc? C'est un truc extraordinaire qui donne saut. Ça va, c'est tranquille. Ouais, ouais. Par contre, j'en ai un deuxième, il est particulier, je crois. Ouais, ouais. Bah. C'est Abaddon, il m'a expliqué plein de trucs. Ok. Il m'a montré comment on récupère des artefacts. Ah bah écoute, quoi il m'a montré. Hein quoi passé, hein. Qui a dit ça? Oh le bâtard. C'est quelqu'un derrière ça. Hein. Le mec qui est caché derrière. Tire-lui dessus. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort. Ouais, c'est bon, je l'ai vu tomber. Putain, comment il a souffert lui. Wow. Ah, c'est un salaud. Oh, désolé, 360. Qu'est-ce que tu racontes, ça y est. Ils sont vifs, hein, les gens de la Légion, t'as vu ça un peu? Bah, on n'est pas légionnaire qui veut, hein. Ah ouais, ils sautent, ils font des tours sur eux-mêmes et tout, là. C'est lourd. Oh, t'aimerais bien avoir la même faux que eux. Ah, c'est pas faux. Ouais. Ils vont le dire. ils vont le distribuer bientôt, je crois, les faux. Ah, yes, va t'en faire l'esprit. C'est ce que j'ai entendu. Bientôt, les faux, on en aura tous. Ouais. Ils sont bien. Gentil, hein. J'ai même entendu dire qu'ils allaient tous nous donner les leurs en fait. Et qu'ils allaient se battre avec des battes de baseball maintenant. T'es sûr qu'on est faux? Non, c'est jamais sûr. Hein. Ça doit être une info russe, tu sais. Oh. Ouh là là là. Alors. C'est de la merde. Ça c'est cool. Les test kits, c'est vraiment la base en fait. Si t'as pas le test kit, bon, mis à part si t'es un mec qui connaît tout, tu vois, c'est ultra compliqué de savoir ce qu'ont les gens. Parce que le mec, il vomit, ça peut... Enfin, en fonction de s'il vomit rouge ou s'il vomit vert, je sais pas comment l'expliquer, mais... On a trouvé un campement là où vous habitiez avant, apparemment. On vous entend. Un campement... Là au moins, on a de quoi soigner un régiment, ça. Les petits baumes, je vais les mettre en bas, avec les trucs qu'on connaît le moins, je crois. On va les mettre là. Les petits baumes. On a trouvé pas mal de motos là. Hein. Ce qui est bon. Ce qui est bon. Alors ça, c'était quoi déjà? Is an alternative from pot prazole and a use from the treatment of erosion, ulceration, and oesophage, and general stomach trouble due to poisoning or salmonella. Ok. Donc ça c'est pour la salmonelle. Polaris tablette. Polaris tablette effective reduces the pain and discomfort caused by tooth extraction and similarly dental works. Also recommended for the temporary ache and pain due to cold. Ah, c'est peut-être plutôt ça alors. Ah, c'est à nous ça. Acétyl salicylique. Non. C'est à nous ça. Acide acétyl salicylique. Mais moi je suis revenu avec la blanche, j'ai pas vu d'autre voiture. Hein. Que... Acide acétyl salicylique. Regarde le celui que je mets juste en dessous les poches de sang. Regarde ce truc-là, il a l'air d'être intéressant pour... Alors, un des deux.
soit le petit baume ou soit l'autre. J'ai l'impression que ça peut soigner des engelures. Je crois que c'est les baumes, les deux Golden Star. Ouais. Il y en a trois, en vrai. Les trois. Dedans. En vrai, on a de quoi okay, refaire une expédition en zone radioactive, mais à... En rue, ça va être compliqué. Tu vois, je me dis, avec tout le matériel qu'on a ramené, pour essayer de monter une petite expédition entre nous, pour retourner voir la centrale. Ouais, ouais. Précise bien le entre nous. Oui, je persiste et je signe. Ouais, insiste fortement. Tiens, regarde, justement, tout à l'heure, on a croisé un gars qui s'appelait Michael ouais. Budd. Et ce mec-là vit à Ekstadt. Et il a des... Comment on pourrait appeler ça? Un espèce de squelette métallique sur les mains. Et il nous a dit que c'était Tillman qui lui avait fait ça. Et on a retrouvé une note, justement, dans le truc de Tillman. Je voulais te la montrer, en cas si tu l'avais pas vu. D'accord. Je l'ai pas vu. Toutes les notes, je l'ai pas vu. J'ai vu les rapports, vite fait. C'est Shura qui les a, en grande majorité, je pense. Ça, c'est un test kit de quelqu'un. Je vais la garder, cette note-là. Je vais la laisser dedans. Hop. Voilà, moi j'ai posé ce que j'avais, donc... Impeccable. Est-ce que Max est disponible? Ah, t'es vraiment enculé. C'est à moi? Non. Tenez, je vous le rends. Ah, oh, c'était si rapide. Lâchez. On va dire... Par exemple... En tout cas, là, ouais, on a pas retrouvé notre Henri. Est-ce qu'il y a Max? Dans l'eau, là. Max? Non, elle est pas là, Max. Mais c'est de jolis gants, ça. Ah, c'est Laurent. Oh, Laurent, ça sort si que t'arrives. Ça, c'est pour le cœur. Ouais, Alors, bah, s'il n'y a pas Max. Est-ce que vous voulez faire un petit essai scientifique? Il est où, monsieur Laurent? C'est pas vous, putain. Je suis là. Où ça? Là. Ouais, t'as une feuille. T'en as une pour moi? Qu'est-ce qu'il fout dans la garde, lui? Oh. Qui ça? Ça va être douloureux. C'est nouveau, là. Ah, il est là, le nouveau? Ah, c'est pour la science. Il a intégré la garde. Il y a non. Oh, j'accepte. Il est complètement con. Qui est donc le nouveau? Quand vous aurez vrai Max, envoyez-le moi. Comme ça, il va récupérer toutes les affaires de sa chasse. Hein. Et vraiment, il va les foutre au feu? Au magasin. Okay. Ah merde. Je vais voir s'il est chez lui. Ah. On a du pouvoir d'achat, on va pouvoir régler ce problème. Max? C'est vrai? Putain, merde. Non, j'ai mis une petite lampe et tout, SP, pour hypnotiser les gens, si tu me regardes bien dans les yeux. La future SNP, rentrez tous à l'intérieur, comme ça je vois tous en même temps. Il y a tout le monde là, je vais en profiter, je fais un. Pierre d'un coup là, enfin d'une pierre, enfin bref, voilà. Ça sent pas trop mauvais là-dedans, ça va? Ok. C'est tout. Et toute la garde à l'intérieur, c'est bon? Aaron, tu es prié de venir au bâtiment de la gare, s'il te plaît. Et s'il est pas là, c'est un problème quand même. Il est avec tout le monde, certes.
vachement dans le cou. Ah, c'est ouf. Ah ouais. Ça te rend... Ah, mais pourquoi t'as pas participé à la bataille de boxe, toi? Tu l'aurais défoncé, Edgar, avec ça. Bah parce que j'étais pas là. Putain. En fait, on a un champion de boxe et on savait pas, quoi. Pas vraiment. Tu aurais mis deux patates, moi, c'est ça, tu l'aurais défoncé. On appelle ça de la triche. Bah oui et non, parce que si tu l'aimais pas, tu peux pas vraiment fonctionner, non? Bah si, là il est installé. Oui voilà, tu veux essayer la rêve. Voilà. Non, ça boule. Attends, il y avait encore ça, je crois. Bien sûr, tu veux pas essayer. Attends, suivez-moi pas tous, ça sert à rien. Je fais des bruits d'oiseaux. On attendra. Quelqu'un aurait des balles de winch? Non, je vais pas essayer. Bon, attendez, tiens, on m'en a donné. C'est les messieurs de la garde, ils m'ont donné plein. Tiens. Ouais, t'es bon, t'es dépêché. Ah, la prochaine fois que le combat il a lieu, tu viens, tu le défends cette garde. Laurent, tu peux monter. Pour un... Tu es en bas du bâtiment, Laurent. On devient riche. Ouais. On fait 50-50. On fait 50-50. On fait 50-50 et on fait 50-50. Welcome. Ok, ça marche. Merde. Je sais pas, on verra. Allez, ça va. Moi je dis que c'est fini. Bon, y'a tout le monde. Bon, j'aimerais tout le monde devant moi ici là. Hop 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 hop. Oh. Bon, on entend de la musique là. Non. De pont, s'il te plaît, Henri. Ouais, je suis curieux aussi de savoir ce qu'il y a dans l'enclave, mais au final, je pense qu'on nous a pas guidé vers l'enclave, mais ce qu'il y avait derrière, donc le cercle. L'enclave, à mon avis, c'était pas pour nous. Enfin, je pense, hein. Après, c'est pas impossible que ce soit pas le cas. Faudra voir ce qui est la suite, hein, comme d'hab. Combien je n'avais plus de couteau. C'était moi. Tiens, je croyais que c'était avancé. Merci. Attends, sinon, j'ai des trucs à manger si tu veux. Attends. Ouais. Parlez moins fort, vous vous souffrez là dehors. Merci. Ça se passe bon. Oh. Ah ouais. Donne-lui ton doigt pour le remercier. S'il vous plaît, ou un peu plus loin sinon. Merci. Oui, excusez. Ouais. Tiens alors, merci. En tout cas, repose-toi bien, Dr Mike. À demain, gros. Dors bien. Je vais voir après quand ils auront terminé leur petit rendez-vous, s'ils sont chauds encore pour aller voir s'il y a toujours les mecs à Eckstadt. Je sais pas. Ouais. Y'a même plus à bouffer, les gars. Vous vous rendez compte? Ah, mais attends, mais. Eh! Et 40 lapins, les gars, y'avait plus rien. Ah, tu l'as mis là le truc pour le bois? Tu vois, c'est une super bonne idée. Y'a plus de bouffe. Vous avez joué avec les lapins? Bah, ouais, mais en même temps, c'était Alice qui ramenait à manger. Qui va aller chercher? Il y avec des scies à métaux. Bah, ouais, mais. En fait, si c'est un ancien groupe, bah, oui. Pour pouvoir les raid, il faut qu'ils soient là. Sinon ça s'appelle un raid off et c'est interdit et il faut faut leur déclarer une guerre, mais il faut qu'on soit un groupe revendiqué nous aussi quoi. Ce qui n'est pas encore le cas donc. Et je pensais qu'on allait faire un groupe avec les voisins, mais je crois qu'ils ont déjà fait un truc avec Astaroth, donc je sais pas, on va voir.
On va voir ce que ça donne après. Tu fais prout prout après. Ça c'est pas ce que c'est en vrai. Je vais l'ouvrir pour voir ce que c'est. Qu'est-ce donc? Oula, c'est un peu vert zone à l'intérieur. Un peu bizarre quand même. Peut-être du poisson. À demain, bonne nuit, docteur Mike. Ouais, bah ça, bien. Ça c'est pas ce que c'est. Vas-y, goûte. J'allais vous demander, vous êtes chaud pour aller à Eckstadt, oui, mais en vrai, on est plus assez par rapport à ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est vous Eckstadt, des gars qui s'amusent à braquer des gars du sud. Donc on va leur montrer un petit peu de quel bon on se chauffe. Ah oui, peut aller. Ouais, les ramener ici et les juger, ça pourrait être pas mal même d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. C'est loin avec ça? Un peu, ouais. Pas très loin, mais j'ai regardé, on a apparemment plus de véhicules dans le box. Bon ça, vous avez plus les camions? Une raison de plus pour y aller. On récupère leur véhicule. Bah oui, ils en ont. C'était pas mal, hein. Ah, on prend les messieurs de la garde au pire, s'il y a besoin, ils sont suréquipés. Ils sont... En plus, il y a le nouveau là. Comme ça, le nouveau il montre un peu comment il se bat au combat et tout, t'as vu. Il y a juste une Gunter noire qui tombe en dépression toute seule. Et vous avez mis où les camions? Alors là, aucune idée. Oh merde! On s'est fait voler les camions? Ah, je sais pas, moi, il me semble que je l'avais rentré quand, l'autre soir, ouais, je l'avais rentré, ouais. Et puis là aujourd'hui je suis arrivé, il n'y a plus de camions. Ah ouais? Faut mener l'enquête là. Bon, après, si besoin, on a tous les voitures dans les garages. Hein. Là, on vous laisse un petit peu d'intimité. Allez. Merci. On va vous laisser un petit peu d'intimité quand même. Ouais. Oui, oui, oui. On va pas vous gêner. Hein. Ouais, on va pas vous gêner. Oula, oui. Loin de là l'idée. Regarde-moi hein. En plus, il y a un voyeur juste là. Oula. Oh, y a des bruits là-dedans. Oula. Hein. Oula. C'est bon bien. Allez, mais Rome. Ah, c'est 6 secondes où je t'en prie. Putain, enculé, hein. Oh, pas de violence, pas de violence. C'est les vacances. The demain, the de vilain, et the de pied, the de PD, attention. Bon allez, moi je vais me coucher, bonne nuit tout le monde, à demain. Il y avait un truc dehors. Eh bien non. Bon. Eh ben on va les spioter tranquillement. Ouais, bah c'était vraiment cool. C'était cool là, cette petite excursion dans le bunker, enfin au cercle. Et surtout avoir accès à quelques données de Tillman, c'est pas mal. Je sais pas si on a eu accès à beaucoup beaucoup de trucs, je crois pas, mais... En vrai, c'est cool. On va aller balancer un petit raid à Mimi. Hop. Voilà. Hop. Bon, sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite... Ouais, gros, c'est l'heure, tu vois. C'est l'heure de dodo. On va lancer un petit raid chez Mimi, Miriam Stink. Si vous êtes chaud, messieurs, dames, let's go. Sur ce, reposez-vous bien. Je vous dis à demain. Bonne nuit tout le monde. Tchou tchou.